Salut tout le monde et bienvenue du coup dans ce nouveau live. Je sais pas si mon micro est trop fort, n'hésitez pas à me dire si c'est un petit peu trop fort, parce que j'ai l'impression qu'il a augmenté par rapport à d'habitude, ce qui est assez surprenant, je comprends pas pourquoi. Alors, salut 13bis, ça fait plaisir de te voir au rendez-vous comme toujours, super modérateur. Salut Chinello15, salut Ponitadegalar101, salut Wolfie Simlover, salut Zelior, ça fait plaisir de vous voir à l'heure, pile poil, 19h, j'ai réussi à être à l'heure. Aujourd'hui je suis un peu claqué, je vous avoue, en plus je suis pas dans mon setting habituel, je suis pas dans ma chambre en fait, tout simplement. J'ai réussi à trouver un moyen de m'organiser pour faire le live un peu comme d'habitude quand même, mais j'ai pas fait autant de recherches que d'habitude, donc on va plutôt lire un article aujourd'hui, on va pas ouvrir autant d'onglets que d'habitude, et peut-être que ça va être plus cool, justement on aura plus l'occasion de discuter, et je serais curieux d'avoir vos retours. Alors, salut Nibler, salut Chakalzilla, salut Martini Chéri, salut Sybille PNG, salut tout le monde, contente de pouvoir être présente ce soir. Ah, ça fait plaisir. merci de la force que tu m'envoies. Ouais, ça fait plaisir. Vous allez voir, j'ai fait deux quiz, il y a un nouveau quiz aujourd'hui qui est un peu différent de d'habitude avec des vrais ou faux. Donc ça, c'est cool. Je le ferai à la fin quand on aura fini de lire l'interview d'Achille Mbembe. Et vous allez voir, ça va être sympa. Alors, salut petit Cam aussi, ça fait plaisir de te voir. Bonjour tout le monde, j'attends encore un petit peu que d'autres personnes arrivent. Et en attendant, je vais dire quelques trucs pour la chaîne et aussi pour les gens qui regarderont en replay. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de sources donc, que je vais citer. Donc j'ai pas fait de petits sources avec le point d'exclamation comme d'habitude. Enfin, ça va quand même revenir. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le modifie. Ça va vous emmener, si vous faites source, ça va vous emmener en fait à l'ancien, au truc de la semaine dernière. Donc j'ai pas fait des sources cette semaine, je les ferai par la suite. Désolé, 13bis, désolé. Alors, tac, 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 salut Gigi Boulet, salut Imperial Loris, bonsoir le chat, bonsoir Histoire Crépus, je suis nouveau, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va lire un article d'Achille Mbembe, et comme je disais, le replay sera ensuite disponible sur ma chaîne YouTube, et voilà, et vous pouvez la trouver en bas dans ma bio, vous allez voir, il y a le petit truc YouTube. Et c'est cool. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu claqué parce que j'ai eu une longue semaine bien chargée. Mais je suis content de faire cette petite lecture. J'avais prévu une autre lecture aussi. Mais je pense que je vais la faire dans la semaine. Je vais ajouter un nouveau rendez-vous, peut-être un mardi. Je vais faire un truc spécial pour vous lire un article que j'ai vraiment envie de lire avec vous et de creuser. Mais que j'ai pas eu le temps là de préparer parce que j'étais trop charrette, quoi. Salut à Blackata. Salut la femme périphérique. Salut Kébé. Alors attendez, KBBA Vogui, où là je suis nouvelle sur Twitch aussi, bienvenue, fais-toi, enfin, tu peux te sentir à l'aise, n'hésite pas à commenter quand il y a des trucs que tu vois, voilà, il y a 13bis, le super modérateur, qui pourra expliquer si jamais vous avez des questions aussi, 13bis qui fait un super travail avec Nibbler, qui est aussi là ce soir dans le live, qui font une frise chronologique des femmes artistes, je suis sûr que vous connaissez pas beaucoup de femmes artistes, en tout cas avant les années 1960, si je me trompe pas, c'est à partir de 1960, Et je vous conseille d'aller regarder leur live tous les jeudis soirs sur leur chaîne, enfin sur la chaîne de 13bis sur Twitch, et les replays sont disponibles sur YouTube aussi. Alors, hop. 29 septembre, bonsoir à tous, nouvelle aussi ici, contente d'aborder l'entrevue d'Achille Mbembe. Ah bah super, tu vas pouvoir réagir 29 septembre s'il y a des trucs avec lesquels tu es d'accord ou pas. Barbure, dans ton dernier live, tu recommandais la série de vidéos de Saïd Bouhamama sur les révolutionnaires anticoloniales. Merci pour la reco, j'ai maté des heures de vidéos, c'est passionnant. Ah bah ça fait plaisir de voir que t'as pu, que ça t'a donné envie de chercher. En tout cas, moi c'est Saïd Bouhamama qui m'a donné envie de me lancer sur Histoire Crépue. Donc je suis content si Histoire Crépue donne envie à des gens d'aller checker ce qu'a fait Saïd Bouhamama. Cool, j'ai hâte du sujet du live. Super 13bis. Bon, eh ben on est pas mal nombreux et nombreuses, on est une cinquantaine, donc c'est cool, ça me fait plaisir de vous voir. Je vais donc commencer, je pense, à lire. Imperial Loris qui demande « Est-ce que tu connais une chaîne YouTube Naturi Eben et Grandeur Noire ?» Je connais la chaîne YouTube Grandeur Noire, mais pas Naturi Eben. Voilà. Et je vous conseille d'aller regarder ce que fait Grandeur Noire, en tout cas, et ce que fait Naturi Eben, je sais pas exactement. Donc,
Bon, on va commencer à lire, et cette fois-ci, du coup, comme je vous disais, je ne vais pas ouvrir 1000 onglets comme d'habitude, je vais beaucoup lire, et je vais attendre un peu d'avoir aussi vos réactions par rapport à la manière dont Achille Mbembe explique son choix, puisqu'il va nous expliquer pourquoi il a accepté de travailler avec Emmanuel Macron. Et c'est pas rien d'accepter de travailler avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, bah, c'est le président de la France, et qu'Achille Mbembe, bah, c'est un philosophe, bon, il s'appelle pas philosophe, en fait, c'est un historien surtout, et un penseur camerounais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur mon deuxième écran. Donc, ah oui, on va lire un article qui a été publié chez Jeune Afrique. Voilà, réservé aux abonnés malheureusement, donc vous ne pourrez pas le lire facilement. Mais si vous allez sur le Discord, donc vous faites petit point d'exclamation Discord, et vous allez trouver des sources. On s'entend bien, je vais pas, voilà. Je vais pas inciter au vol d'articles ici, en live, mais voilà. Alors, Naturi Eben, merci pour la source, Sibyl. Grandeur noire, c'est aussi une mine d'or d'informations, je recommande fort. Bah, c'est cool. Et donc, quelqu'un a fait point d'exclamation Discord. Voilà, et là, vous avez le lien vers le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord, discuter un petit peu et lire les articles qu'on partage. Il y a des gens qui sont assez actifs, dont 13 bis d'ailleurs. Et merci pour ça. Alors là, j'ai mon fond vert qui déconne un peu et que vous voyez un petit angle sur l'article. Alors, je vais essayer de le bouger. Les aléas du direct, hein, comme on dit. Voilà, ni vu ni connu. Super. Alors, donc l'article qu'on va lire a été publié sur donc Jeune Afrique et s'intitule Achille Mbembe, deux points, pourquoi j'ai accepté de travailler avec Emmanuel Macron. L'interview est réalisée par Clarisse Jouompan Yakam, dont je n'ai jamais lu aucun article, je crois. Et donc, Achille Mbembe, c'est ce monsieur-là que vous voyez, je pense, très bien. Dites-moi s'il y a un problème au niveau du zoom ou quoi que ce soit. Hein. Alors, avant de commencer, non. On va commencer à lire un petit peu. L'historien camerounais, sollicité par Emmanuel Macron pour préparer l'échange qu'il entend avoir avec la société civile lors du prochain sommet Afrique-France en juillet, explique les raisons qui l'ont poussé à accepter cette mission. Vous allez voir, c'est une histoire un peu plus complexe que ce qu'on pense. Je vous préviens dès le début. Et je serais content d'avoir vos avis contradictoires. Je pense qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec ce que va dire Membe et d'autres gens qui vont le critiquer très fort. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. D'abord, avant de commencer, on va voir qu'est-ce que c'est que le sommet Afrique-France. Qu'est-ce à dire que ceci? Le sommet Afrique-France, si vous allez sur le site bah, officiel du sommet Afrique-France, qui s'appelle sommetafriquefrance2020.org, vous allez tomber d'abord sur ce petit écriteau. Je ne peux pas zoomer malheureusement parce que c'est mal fait leur site, mais je vous lis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit: dans un contexte de mobilisation nationale et internationale de lutte contre l'épidémie du Covid-19, et compte tenu de l'évolution et de la gravité de la situation, le sommet Afrique-France 2020, initialement prévu le 4, 5 et 6 juin à Bordeaux, ne pourra pas se tenir. En fait, le sommet Afrique-France a été annulé. Les effets de cette crise, tant dans son ampleur que sa durée, font peser de nombreuses incertitudes sur le calendrier international, rendant impossible à ce stade de fixer de nouvelles dates en 2020. Nous vous remercions de votre formidable mobilisation et nous vous tiendrons informés des événements Afrique-France en cours de reprogrammation pour 2021. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un premier sommet qui était initialement prévu en juin 2020, qui a été décalé à cause du Covid et qui vient d'être reprogrammé en 2021. À la base, ça ressemblait à ça, hein, le site Sommet Afrique-France. C'était pas un très beau site, hein, franchement, je vous le cache pas. Vous pouvez aller voir. Bon voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, les temps forts par exemple, enfin il y avait toute une programmation assez complexe et assez critiquable de rencontres entre des chefs d'État africains. Donc il y avait 54 chefs d'État prévus, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. C'était la 28e édition des sommets Afrique-France et qui était censée enfin, rassembler des chefs d'État africains, donc 54, 2000 journalistes français et internationaux, 500 médias internationaux et plus de 50 engagements fermes qui devaient être pris à la suite. Alors je dis bonjour à tout le monde. Salut Séphie et salut Vasco Muna. Bonjour, bonjour. Et donc voilà, il y avait Macron qui était présenté, etc., etc. Sauf que c'est annulé à cause du Covid et reporté. Donc, on a un petit article du Monde ici. Bordeaux se fait ravir le sommet Afrique-France par Montpellier. Donc non seulement c'est reporté en juillet 2021, mais c'est déplacé dans la ville de Montpellier. Super photo de Macron, encore une fois, merci Afrique Monde, enfin le Monde Afrique plutôt.
Donc il a été repoussé, remodelé et pour finir délocalisé. Je vous zoome un petit peu pour qu'on voit bien. Le 28e sommet Afrique-France, initialement prévu à Bordeaux, nanani nanana, Emmanuel Macron l'a annoncé au détour d'une phrase dans un entretien paru dans l'hebdomadaire Jeune Afrique le 20 novembre. Donc c'est depuis le 20 novembre 2020 qu'on sait que ça a été décalé à Montpellier en juillet. Bref, 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 je vous lis pas beaucoup. Mais en gros, ce qu'on sait. Alors attendez, j'avance un petit peu plus rapidement. Alors voilà. Des voix dissonantes. Pour faire face, l'Élysée a décidé de décaler l'événement et a choisi d'en repenser le format en mettant de côté le volet diplomatique pour se focaliser sur les sociétés civiles. Là, vous reconnaissez bien Emmanuel Macron qui veut réinventer la politique et se concentrer sur les acteurs de la société civile, comme d'habitude. Mais encore, fallait-il s'entendre avec la nouvelle équipe municipale. La conseillère Afrique de l'Élysée s'est rendue mi-octobre à Bordeaux pour rencontrer Pierre Urmic. Ce dernier a indiqué qu'il répondrait à la proposition sous 15 jours. Et ça n'a pas plu du côté de l'Élysée qui s'impatientait, explique la source précédemment citée. Bon, bref, en gros, il y a eu une embrouille et Bordeaux n'accueille plus le sommet. Et je vous lis pas tout en détail parce qu'on va lire vraiment l'article d'Achille Mbembe, mais en gros, vous pourrez ici apprendre pourquoi le sommet se déplace à Montpellier. Et on a dit que c'était le 28e sommet entre la France et l'Afrique, parce qu'en fait, les sommets Afrique-France sont appelés sommets France-Afrique jusqu'en 2010. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout un tas de sommets qui s'appelaient France-Afrique. Le nom a été transformé, comme d'habitude, dans les situations coloniales. On a inversé les choses, donc maintenant c'est Afrique-France. Et ce sont des sommets internationaux organisés initialement à un rythme annuel entre responsables africains et français depuis 1973, donc après la période coloniale. Ils seront fortement critiqués pour être une expression de la France-Afrique. Référence nécessaire, là Wikipédia est un peu sérieux, il nous dit ça manque de référence et en plus c'est non neutre. Bon bah comme beaucoup de choses sur Wikipédia finalement. Mais là, ils ont tenu à le préciser. Alors je lis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est quoi son taf à la conseillère Afrique de l'Élysée? Bonne question. Oui, on est tous sur YouTube. Ah oui, là tu parlais, donc l'article du Monde, les rediffusions de tes streams sont sur la chaîne YouTube, oui effectivement. Quand tu changes le nom, mais pas le déséquilibre. Ouais, c'est exactement ça. Donc le nom a été transformé, donc on parle de sommet Afrique-France, mais le problème reste, puisque France c'est un pays, on est d'accord, et l'Afrique c'est un continent avec 52 pays. Donc ça me paraît un peu bizarre, c'est comme si on disait Amérique-France ou Asie-France, ça n'existe pas. Pourquoi dans le cas de... Enfin, je crois pas que ça existe. Si jamais ça existe, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois pas. Hein. Et je me demande du coup pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'Afrique, on se permet de faire un sommet France-Afrique ou Afrique-France. Bref, si on regarde un petit peu l'histoire, ça a commencé entre les indépendances, donc à partir de 1960 environ, et 1973. C'est à partir de cette année-là que des sommets franco-africains initialement limités aux pays francophones, donc pays francophones qui sont d'anciennes colonies françaises ou belges en général, se tiennent plus régulièrement, donc annuellement de 1975 à 1989, et alternativement en France et dans un pays d'Afrique. Et donc là, sur Wikipédia, vous avez toute une liste de pays, enfin de sommets entre la France et l'Afrique. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, hein. Et donc on en arrive au 28e, il y en a 28 quoi, qui va avoir lieu en juillet 2021 à Montpellier. Ce sera le premier sommet d'Emmanuel Macron sous le nom de Changer les villes pour changer la vie. Ça, c'est le mot-clé, on va dire, le mot d'ordre de ce prochain sommet Afrique-France. Voilà. Alors, sommet dont la bilatéralité est une fiction. Ouais, effectivement. Donc, on continue un petit peu, je vous montre qui est Achille Mbembe. Achille Mbembe, c'est un historien camerounais, un penseur camerounais, et il est aussi prof à l'université du Mans. Là, on est sur la chaîne YouTube Le Mans Université, avec 1603 abonnés. Et il donne une leçon inaugurale à cette université. Je vous le fais écouter juste rapidement, parce que comme vous savez bien, moi j'aime bien qu'on voit qui parle, comment il s'exprime, etc. Donc on écoute juste 1 ou 2 minutes de sa leçon inaugurale, ça nous donne pas grand-chose de sa pensée, mais c'est juste pour le voir parler, quoi. Et je pense que c'est important. C'est parti. Et vous me dites si on entend bien le son. Entendu que philosopher
c'est tenter de marcher en tâtonnant, sans savoir exactement de quel côté les choses vont tourner. C'est non pas développer des théories abstraites, mais s'efforcer sans cesse, au cœur des situations historiques qui sont les nôtres, d'atteindre un moment de lucidité et s'y maintenir, ce qui, pour les humains, est une tâche ardue, voire colossale. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, les humains, nous ne sommes pas toujours des êtres de raison. Nous fonctionnons, plus que nous ne voulons l'admettre, à la fiction. Nous vivons de passions auxquelles il nous est très difficile de renoncer librement, sans avoir l'impression que notre monde s'écroule. L'une de ces fictions et l'une de ces passions, c'est l'identité. Pour dire les choses franchement, l'identité, j'y crois et je n'y crois pas. Et je ne suis pas le seul. Ou plutôt, l'identité, je ne sais pas ce que c'est. Alors, suspense pour la suite. Je vous laisse regarder la leçon inaugurale d'Achille Mbembe sur cette notion d'identité, et vous pourrez voir qu'il en a parlé dans d'autres textes, et vous voyez un petit peu comment il s'exprime, comment il... voilà, c'est quelqu'un d'assez posé, qui fait des phrases très compliquées, donc si vous aimez pas beaucoup lire, je vous conseille pas de lire ces textes, mais si vous aimez beaucoup lire, et vous aimez vous casser la tête, mais vraiment vous casser la tête, je vous le conseille, et franchement, il y a des concepts quand même intéressants. Moi, j'ai trouvé des choses intéressantes dans ses écrits. Certaines personnes disent qu'il est trop pompeux. Bon, dites-moi justement dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu ? Je ne sais pas. Alors, vous me disiez, au niveau du son, c'est la prise de son qui fait effet boîte métallique. Ah oui, ok. Il y a un problème de son. Bon, je vais essayer de régler ça. De toute façon, on ne va pas écouter beaucoup de paroles. Et là, je vous montre les publications de Mbembe sur le site cairn.info, qui est un site de référence, hein, si vous cherchez des articles sérieux. Voilà, universitaire, et on voit un peu les ouvrages qu'il a écrits. Donc il a écrit 5 livres, en tout cas qui sont listés au Cairn: Brutalisme, Politique de l'inimitié, Critique de la raison nègre, Sortir de la grande nuit, et il a participé à l'ouvrage Rupture postcoloniale, que j'ai toujours pas acheté, mais que j'ai vraiment envie d'acheter, parce que ça a l'air d'être du lourd de chez lourd. Voilà, ça vous donne un petit peu... Bon, Brutalisme, c'est publié en 2020, je vous lis peut-être un tout petit peu la présentation de l'ouvrage. Ouais, je vous lis la présentation. Comme ça, vous avez une idée du truc. Personne ne l'a lu, du coup. Ah, ok. Ponita de Galar 101 dit « J'avoue que Brutalisme était dense et lourd, difficile à finir. » Ok. Bah, hésite pas à nous dire si t'as aimé ou pas du tout, ou qu'est-ce que t'en as pensé. Béréal, tu dis « T'as pas lu Mbembe. » Ok, je te conseille de checker, en tout cas. Donc dans cet ouvrage, Brutalisme, toutes les sphères de l'existence sont désormais pénétrées par le capital, et la mise en ordre des sociétés humaines s'effectue dorénavant selon une seule et même directive, celle de la computation numérique. Mais alors que tout pousse vers une unification sans précédent de la planète, le vieux monde des corps et des distances, de la matière et des étendues, des espaces et des frontières persiste en se métamorphosant. Cette transition de l'horizon du calcul se conjugue paradoxalement avec un retour spectaculaire de l'animisme, qui s'exprime non sur les modèles du culte des ancêtres, mais du culte de soi et de nos multiples doubles que sont les objets. Intéressant, intéressant. Mais je ne vais pas poursuivre ici, puisqu'on s'intéresse à autre chose dans cette revue de presse décoloniale. Mais voilà, ça vous donne une petite idée des sujets que peut traiter Achille Mbembe, qui sont pas que directement des sujets coloniaux, post-coloniaux, décoloniaux, etc. Ça va plus loin, c'est des sujets de société, en fait, qu'il traite, et des sujets de politique. Il s'est expliqué aussi sur la raison pour laquelle, sur RFI, donc, mais je sais pas pourquoi on va pas bien, je dézoome un peu, peut-être. Touk. Voilà. Il s'est expliqué sur RFI, bon, je comprends pas pourquoi on va pas bien, mais sur la raison pour laquelle il acceptait de participer donc à ce sommet Afrique-France, mais on verra ça un peu plus tard.
et je vous conseille un article qu'il a écrit récemment sur la revue AOC, Analyse Opinion Critique, qui s'appelle « Notes sur l'eurocentrisme tardif », et qui est vraiment, vraiment intéressant, que j'ai lu passionnément cette semaine, et voilà, et qui revient un peu sur tous les débats qu'on a en ce moment sur les dangers de l'idéologie décoloniale ou postcoloniale, l'islamo-gauchisme et toutes ces idées qui nous sont renvoyées par le Figaro, par les ministères Darmanin, Blanquer, Vidal, etc., et qu'il définit comme une forme d'eurocentrisme tardif, c'est-à-dire une des dernières phases de l'eurocentrisme. Et je vous conseille vraiment de checker. C'est hyper intéressant. Sur AOC, il faut s'abonner, c'est payant, mais si vous créez un compte, vous avez le droit de lire 3 articles par mois, et en général, c'est des articles hyper bien construits et bien documentés, donc voilà. Et nous, on va enfin passer à l'article qui nous intéresse, qui est donc « Pourquoi j'ai accepté de travailler avec Emmanuel Macron » d'Achille Mbembe, et je vais le lire donc en PDF, parce que je l'ai en PDF, et je vous montre ça tout de suite, boum, bam, voilà. Je l'ai en PDF parce que voilà, je ne suis pas abonné à Jeune Afrique, malheureusement. Pas encore. Et j'ai pu me procurer, grâce à vous d'ailleurs, sur Instagram, une version PDF. Et je vous en remercie. Tac. Alors, c'était passionnant et très beau par moments. C'est de la philo et sa plume n'est pas la plus accessible, franchement. Donc ça, c'est Ponita de Galard qui nous répond sur brutalisme. Ok, ça marche. On va commencer à lire. Il n'a jamais fait mystère de son opinion plus que réservée sur les relations entre l'Afrique et la France, n'hésitant pas à critiquer sévèrement Emmanuel Macron. Pourtant, c'est bien l'historien camerounais que le président français a sollicité pour préparer l'échange libre et sans tabou qu'il entend avoir avec la société civile lors du prochain sommet Afrique-France à Montpellier. Là, je précise juste un truc qui est très très important à comprendre pour la suite, c'est que Achille Mbembe n'est pas invité pour faire le sommet Afrique-France. En fait, il est invité pour préparer l'échange qui aura lieu lors du prochain sommet. Mais en fait, c'est pas réellement... le sommet ne tourne pas autour d'Achille Mbembe, c'est une sorte de préparation préalable, en fait, au vrai sommet qui n'est pas encore réellement daté, si j'ai bien compris. Et détrompez-moi si vous avez d'autres informations. C'est une mission que l'auteur de Brutalisme ne pouvait décliner. Car, dit-il, après 60 ans, nous sommes brutalement projetés dans un autre cycle de notre histoire commune. Et élaborer des propositions fortes permettant de redéfinir ces relations ankylosées est un projet nécessaire, raisonnable et urgent. Donc, quand il dit « après 60 ans », il parle depuis les indépendances, quoi, en fait, hein. C'est parti. Jeune Afrique demande « Quelle est exactement la mission que vous a confiée le président Emmanuel Macron ?» Je vais lire la réponse d'Achille Mbembe, mais si vous avez des questions ou des désaccords avec les réponses qu'il dit, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Vous dites « Moi, ça me convainc pas du tout » ou bien « J'ai pas compris la mission, c'est chelou ». Comme ça, moi, j'essaie d'y répondre aussi. J'aimerais bien qu'on puisse, dans ce chat, dans ce live, essayer de discuter un peu plus que ce que je fais d'habitude. Donc Achille Mbembe dit « Depuis 2017, le président Emmanuel Macron a constamment affiché sa volonté de redéfinir ce qu'il appelle les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France. Entre guillemets. Il a posé un certain nombre d'actes dont chacun est libre d'apprécier la teneur. Par exemple, il a demandé à Félouine Sarr et Bénédicte Savoie un rapport sur la restitution des objets d'art africain. Hélas, désolé, c'est un PDF, donc c'est un peu bizarre. Donc, un rapport sur la restitution des objets d'art africain qui a fait date. Mince. Oups là. Il a demandé à Ngoné Fall. Bon, désolé, des petits bugs. Il a demandé à Ngoné Fall. À Ngoné Fall, il a confié la conception et la réalisation de la saison Africa 2020. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux choses, donc le rapport sur la restitution des objets d'art africain, on pourra le mettre dans les sources après, il est disponible gratuitement en ligne, et c'est donc Félouine Sarr et Bénédicte Savoie qui ont rédigé un rapport qui explique pourquoi et comment la France peut rendre des objets d'art qui ont été volés à l'époque coloniale à différents pays africains. Et la saison Africa 2020, c'est une saison culturelle qui a eu lieu entre 2020 et 2021, et qui était censée renouveler les rapports culturels entre la France et l'Afrique. Et on peut être très critique par rapport à cette opération, qu'on peut dire que c'est une opération de com', entre guillemets, mais en tout cas, ça a été
confiée à Ngonéphal, qui est commissaire d'exposition et qui, voilà, qui a fait un travail assez conséquent sur le sujet. Et je vous conseille quand même d'aller voir ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été faites. Salut Christa Van Gogh. Donc, je continue. Macron, il a ouvert la digue du franc CFA, même si beaucoup estiment que c'est au prix d'un sabotage de l'écho. Pareil, sur la question de l'écho, j'ai déjà fait un live qui s'appelait France-Afrique. Je ne sais plus c'était quoi le titre exact, mais on a beaucoup parlé de l'écho dans ce live, donc je vous conseille d'aller le voir. Sur l'éventuelle implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, il a également fait un pas, et l'on attend la publication du rapport qu'il a commandé. Certains diront que ce ne sont que des gestes. Ils ont peut-être raison. Sur chacune de ces questions, il reste en effet un long chemin à parcourir. Mais c'est aussi à nous de faire en sorte que ces gestes ne soient ni anodins, ni sans conséquences. Pour cela, il ne faut pas se croiser les bras et attendre que la manne tombe du ciel. Maintenant, il veut mettre à profit le nouveau sommet Afrique-France qui se tiendra à Montpellier les 9 et 10 juillet prochains pour ouvrir un dossier encore plus capital. Au cours de ce sommet, il veut avoir un dialogue direct et ouvert avec les jeunes générations. Le but de ce dialogue est de questionner les fondamentaux de cette relation aux fins de la redéfinir ensemble. Moi, je trouve que déjà dans cette phrase, il a fait un truc qui est pas très cool. C'est dire pour cela, il ne faut pas se croiser les bras et attendre que la manne tombe du ciel, en faisant une référence à un passage de la Bible, hein, le passage où la manne tombe du ciel. Et c'est les Hébreux, si vous connaissez ce passage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je ne me rappelle plus exactement de ce qui se passe, mais c'est les Hébreux qui attendent un miracle et qui ont faim, et Dieu envoie donc de la manne qui tombe du ciel, et je trouve ça pas hyper cool comme référence pour dire que d'autres personnes se croisent les bras et que lui, il agit en gros, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous convainc. Il a donc souhaité que je l'accompagne dans cette démarche et m'a demandé si j'accepterais de préparer ce dialogue en amont, pilotant un cycle de discussion qui se déroulera dans 12 pays africains et dans la diaspora autour de thèmes d'intérêt commun. Je vais donc suivre ces différents débats et en préparer une restitution. Les débats seront l'occasion d'une parole qu'il veut libre et sans tabou, entre guillemets. L'idée est que puissent en ressortir des propositions fortes pour bâtir l'avenir en commun. Donc là, on voit bien la mission qui a été demandée à Chimembe, c'est bien de préparer un dialogue en amont, en pilotant un cycle de discussion. Donc voilà. Et ensuite, faire une restitution de ce dialogue. Et autre chose, c'est que ce dialogue, ces discussions se déroulent donc dans 12 pays africains. Donc là, ça rend un peu bizarre le fait de dire Afrique-France, puisqu'en fait, il n'y a que 12 pays africains qui semblent être concernés, sachant qu'il y a 52 pays africains en Afrique. Enfin, il y a 52 pays en Afrique, en fait, tout simplement. Alors, 29 septembre, je n'ai pas été convaincu. 13 bis, c'est l'exode selon Wikipédia, donc la manne. Ouais, effectivement. Du coup, 29 septembre, tu n'as pas été convaincu, ça donne le ton sur le reste de l'entrevue. Ouais, c'est vrai que ça s'annonce pas forcément hyper bien. Arti Frédéric, tu dis oui, Macron s'est engagé en mai 2017 à une conférence à Ouagadougou, DSL pour l'orthographe, pas de souci, à restituer les 96 000 œuvres africaines qui sont dans les musées comme le Quai Branly. Actuellement, 26 seulement ont été restituées. Son mandat finit dans un an. Donc là, ça traîne un peu. Encore des promesses pour endormir et avoir les faveurs des anciennes colonies en période électorale. Effectivement, je pense qu'on va le voir au fur et à mesure de l'interview, mais il y a un peu ce truc-là de Macron qui veut redorer son blason par rapport à l'opinion publique non blanche ou africaine carrément, et qui du coup lance des espèces d'appels du pied comme ça, comme il l'a déjà fait lors de sa campagne à Ouagadougou. Parce que mai 2017, je crois qu'il n'était pas encore élu, si je me trompe pas. Dites-le moi. Alors. Ah, merci El Lantistream, merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. Salut tout le monde, salut tout le monde. On est en train de lire un article, une interview de Achille Mbembe, qui est un penseur et historien, qui a été invité par Emmanuel Macron à participer au sommet Afrique-France, qui a un nom donc très sombre, puisque Afrique-France, ça nous rappelle tristement la France-Afrique, finalement. Salut, salut tout le monde, salut l'anti-stream, ça fait grave plaisir, merci beaucoup. 63 pays en Afrique selon Ptikam, ah ben merci, je pensais 52, je sais pas pourquoi j'ai dit 52. Si t'as la source, Ptikam, hésite pas à nous dire. Bonsoir le raid, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ici. J'ai pas suivi le début du live, est-ce qu'on fait mention du libre accès aux archives de guerre française ? Non, on va pas en parler beaucoup de ça pour l'instant.
sur cette première réponse, AM se fait presque l'avocat d'Emmanuel Macron pour légitimer et justifier la collaboration. Oui, c'est vrai. Achille Mbembe là est en train d'expliquer le bien fondé, en gros, de ce sommet. Alors, je continue la lecture. Et après, je lirai vos commentaires. Pourquoi avez-vous accepté cette mission ? Eh oui, et pourquoi il a accepté ? Eh bien, il répond que questionner les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France, aux fins de la redéfinir ensemble, est une revendication que beaucoup portent depuis au moins 60 ans. Il s'agit d'un projet extrêmement complexe, qu'il ne suffira pas d'effleurer lors d'un sommet. J'ai accepté d'accompagner ce geste, d'être là au moment où l'on se met en route, d'abord par curiosité intellectuelle, mais aussi pour veiller à ce que ce ne soit pas un simple exercice de communication. Dites-moi si ça vous convainc ou pas. C'est vrai que beaucoup de gens demandent de repenser les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France, c'est-à-dire, en gros, la France-Afrique et la colonialité qui existe toujours entre la France et ses anciennes colonies africaines. Mais j'ai envie de dire, qui est Achille Mbembe spécifiquement pour le faire ? Comme il dit là, il est là par curiosité intellectuelle, pourquoi pas ? On lui a proposé, donc il a décidé d'accompagner le geste, il a décidé d'accepter, pourquoi pas ? En tout cas, il dit que ça suffira pas, un seul sommet ne suffira pas. Donc ça, je trouve ça bien déjà de le reconnaître. Et aussi de veiller à ce que ce ne soit pas un simple exercice de communication, parce qu'on sait que Macron a déjà fait le coup avec la convention citoyenne pour le climat, et qu'il n'a pas retenu vraiment ce qui a été dit. Il a déjà fait le coup avec les Gilets jaunes, il a déjà fait le coup tout le temps, en fait. Il ouvre le débat, il ouvre des discussions, mais finalement, qu'est-ce qu'il en fait ? On ne sait pas trop. Enfin, on sait, il n'en fait rien, justement. Alors, je vous laisse pour manger l'anti-stream. Merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. Le problème posé en ces termes constitue d'ores et déjà un problème en soi. Ces arguments sont convaincants, simplement accepter d'accompagner ce geste, c'est accepter les termes posés par l'ancienne puissance coloniale, sans mettre en question le fondement même de cette relation déséquilibrée. Effectivement, on va voir si la question lui est posée par la suite. Il continue à répondre, Achille Mbembe, il dit « Sur un plan politique, plusieurs d'entre nous, en Afrique et en France, sommes d'accord avec lui. » Avec lui, avec Macron ? Bon. Il est plus que temps de revisiter ce qu'il appelle les fondamentaux de cette relation. Donc ils sont d'accord sur le fait qu'il faut revisiter les fondamentaux. Ce qu'il entend par « les fondamentaux » est pour le moment suffisamment ouvert pour qu'on puisse contribuer à sa définition. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont chauds pour dire ce qui est fondamental. Très bien. C'est dans tous les cas un projet nécessaire et raisonnable dont la réalisation s'effectuera sur un temps relativement long. La mission est une mission ponctuelle et de bon sens. L'Afrique doit pouvoir y trouver son intérêt à condition que nous sachions ce que nous voulons et que des zones de rencontre mutuelles se multiplient. Je trouve qu'il abuse un petit peu sur les bons sens. Il a dit bon sens une fois, il a dit un projet nécessaire et raisonnable. Et il a plusieurs fois utilisé ce truc de raisonnabilité. Et j'ai pas encore lu son texte qui s'appelle « Critique de la raison nègre », mais j'imagine qu'il a une manière d'employer le mot « raisonnable » particulière, que je connais pas vraiment. Voilà. Enfin, j'ai accepté d'accompagner ce projet parce que, de part et d'autre, les options s'amenuisent. Une rapide analyse historique montre que les transformations du système international, le recul du multilatéralisme et la dérive autoritaire des démocraties libérales, les grands basculements démographiques, la crise environnementale et sanitaire ainsi que l'escalade technologique commencent à peser de tout leur poids sur cette relation, donc entre la France et l'Afrique. Nous sommes brutalement projetés dans un autre cycle de notre histoire commune. L'on s'en rendra bientôt compte à cause de ce changement de cycle historique. Certaines grilles d'analyse forgées au lendemain de la décolonisation ne marchent plus. Un aggiornamento, ah, il aime trop utiliser des mots compliqués, hein. Un aggiornamento intellectuel est donc nécessaire, y compris du côté de ceux et celles qui s'inscrivent dans une perspective plutôt anti-impérialiste. Bientôt, les vieilles postures et les vieux réflexes ne serviront plus à grand-chose et seront sans effet concret sur la nouvelle réalité. Alors, j'espère que c'était pas simple, que cette phrase n'est pas simplement une critique aux anti-impérialistes. En gros, il dit qu'il va falloir changer un peu de stratégie de lutte anti-impérialiste, si je comprends bien. Mais j'espère qu'il s'attaque aussi à l'autre camp, mais je le perçois pas trop dans cette phrase, donc dites-moi ce que vous en pensez. Il aime trop ça. C'est le lien. Alors, merci Petit Cam, le lien sur la liste des 63 pays africains. Ottoman...
Alors, je crois qu'il y a un truc autorisé, voilà. Le ton de l'entrevue est très paternaliste, je trouve aussi, et limite infantilisante pour le lecteur. Finalement, il prête de façon implicite un manque de maturité à ses détracteurs et ou aux Africains, toutes nationalités confondues, l'absence d'initiative dans ce sens. Bon, on va voir la suite. Vous dites que les anciennes grilles d'analyse ne marchent plus. Bah oui, parce que qu'est-ce que vous entendez par là? Il dit « Je dois faire le même constat pour les modes de résistance. Tout autour de nous, de nouveaux acteurs que nul ne contrôle entièrement surgissent. C'est le cas dans le Sahel, en Centrafrique, en Libye, au Congo et ailleurs. De nouveaux débats s'esquissent. » Donc là, il parle clairement de ce qu'on appelle la menace djihadiste en France, qui est donc des insurrections armées par des personnes se revendiquant de l'islam. De nouveaux débats s'esquissent, par exemple sur les réseaux sociaux, autour d'enjeux entièrement neufs. Les terrains de l'affrontement ne cessent de se déplacer. Ils ne sont plus exactement les mêmes que ceux d'hier. Pour participer activement de manière méthodique à la définition des termes de ce réalignement qui touche aussi le vaste champ de la culture, il faut donc, du côté africain également, changer de discours et de paramètres. Bien sûr, on peut choisir de le faire depuis les barricades, mais nous ne sommes pas obligés d'utiliser les mêmes méthodes. Je pense, pour ma part, que le meilleur moyen d'aller de l'avant, c'est de rallier le plus grand nombre autour de propositions fortes qui étonnent et qui sont susceptibles de provoquer une série de déclics. Donc là, clairement, il se met en opposition avec les postures révolutionnaires, on va dire. En tout cas, il ne les critique pas forcément, mais il dit que c'est peut-être plus d'actualité et qu'il faut trouver de nouvelles méthodes. Je pense que, en un sens, il peut avoir raison dans certains contextes, mais enfin, il faudrait qu'il précise bien de quel pays il parle, de quel contexte spécifique, parce que l'Afrique, c'est très très grand, effectivement. Il y a des pays, peut-être, où il y a des choses qui sont à faire qui ne sont pas directement la révolte en barricade. Peut-être qu'il y a d'autres pays où c'est le cas, il faut le faire immédiatement. On voit ce qui se passe au Sénégal, par exemple, en ce moment. On voit ce qui se passe au Tchad, on voit ce qui se passe dans plusieurs pays. Donc voilà, il faudrait qu'il soit un peu plus précis sur ça, quoi. Et ensuite, par contre, j'aime bien l'idée de faire de nouvelles propositions fortes qui étonnent. Et j'ai hâte d'être étonné, du coup, en juillet 2021, parce que s'il ne nous étonne pas, c'est grave. Alors, ça parle de toi, Elle n'a jamais été contestée dans son ancien précaré. Il faut collaborer à cause du monstre terroriste. C'est ce qu'il nous dit un petit peu, ouais, effectivement. Achille Mbembe est un penseur qui m'a inspiré et donné des outils pour structurer ma pensée. J'ai hâte de voir cet échange avec Macron, mais à la fois déçu que Achille accepte de participer au « renouvellement » entre guillemets des relations France-Afrique, à relations nécropolitiques qui continuent de tuer massivement, des relations qui ne peuvent qu'être toxiques tant que le gouvernement soutiendra des dirigeants africains opportunistes et corrompus pour protéger les politiques extractivistes impunément. Effectivement, à Blakata, là, c'est vraiment compliqué. Cette position qu'il tient, puisqu'en fait il se met en collaboration et on va voir comment il le défend un peu plus longtemps. Juillet 2021, le grand étonnement. Ouais, on va être étonné, quoi. Alors, vous êtes accompagné par un comité composé de personnalités africaines. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on réfléchit mieux à plusieurs. J'ai donc voulu, dès le départ, associer à ce projet un certain nombre de personnalités africaines et diasporiques, indépendantes et respectées. Il y allait de la crédibilité de tous, en particulier aux yeux de l'opinion africaine. On lui demande, ont-elles accepté spontanément quand vous les avez sollicitées? Il dit, 8 fois sur 10, celles et ceux à qui j'ai proposé de rejoindre le comité ont tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai essuyé 2 refus fermes et solidement motivés de la part de personnes aux côtés desquelles je n'ai pas cessé d'apprendre. La France est un sujet extrêmement clivant parmi les élites africaines. Dans certains milieux éclairés et progressistes, il vaut mieux ne pas donner l'impression de se compromettre avec ses représentants officiels. D'ailleurs, beaucoup de collègues et d'amis m'ont encouragé à décliner l'invitation. Ils étaient très sincères, cherchaient à me protéger et disposaient d'arguments de poids. À vrai dire, ces refus m'ont poussé à réfléchir en profondeur à propos du moment que nous traversons et à la possibilité d'un autre rapport entre les savants et la politique. Il m'est alors apparu qu'un cycle historique était effectivement en train de s'achever. Le moment était propice pour provoquer l'histoire en imaginant de nouvelles propositions pour le futur, des propositions susceptibles d'entraîner une série de déclics. Bah là, on est vraiment curieux sur les propositions. Donc on voit qu'en tout cas, il est bien conscient du fait que en acceptant cette proposition, il se compromet, il a apparemment bien pesé le pour et le contre, et il a fait le choix d'accepter,
Et donc on va voir comment il nous l'explique un peu plus bas. Vous avez choisi des personnalités aussi différentes que l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, alors boum, l'économiste Kako Nubukpo, excusez-moi, qui est, en fait, là je vais pas vous ouvrir tous les liens, mais peut-être que dans une autre vidéo je reviendrai sur ces personnes qui sont toutes vraiment vraiment très intéressantes. Si vous ne les connaissez pas, faites, ouvrez un onglet et checkez qui est Chimamanda Ngozi Adichie, qui est l'économiste Kako Nubukpo, qui est le gynécologue et prix Nobel de la paix Denis Mukwege, désolé pour les noms, ou encore l'avocate Tuli Madonsela. Je vous conseille vraiment de checker. Donc il répond, nous disposons dans la diaspora d'une foisonnante élite et, sur le continent, de véritables pépites parmi les jeunes générations. En l'occurrence, les membres de ce comité sont tous et toutes des figures exceptionnelles dans leurs domaines respectifs. Ce sont aussi des esprits totalement indépendants, des intellectuels et des professionnels accomplis. Ils sont par ailleurs convaincus que le moment est venu de faire bouger les lignes et de le faire intelligemment. Ils vont rehausser le niveau des débats et nous tirer tous vers le haut. Alors, il a une grande foi dans ces intellectuels, et c'est vrai que il emploie le mot « élite », ce qui pourra, je pense, lui être reproché par la suite à tous les coups. Mais bon, il a fait ce choix. En tout cas, il a essayé de prendre des esprits totalement indépendants, et c'est vrai que si vous regardez un peu les profils en question des personnes du comité, vous allez voir que c'est des gens vraiment intéressants sur beaucoup de plans, et qui sont pas forcément dans des postures ultra radicales, mais qui apportent vraiment plein d'outils dont on peut se servir pour penser le futur du monde et des mondes africains, entre autres, quoi. Pourquoi ces figures et pas d'autres ? Alors il dit, outre celles que vous citez, il y a aussi l'architecte David Adjaï, l'économiste Vera Songwe, le philosophe Souleyman Bachir Diagne, les écrivains Alain Mabankou et Mohamed Mbougar Sarr, la commissaire d'exposition Koyo Kuo, l'historien Pap Ndiaye. Ce sont des gens qui ont conservé au fond d'eux une extraordinaire capacité d'étonnement. Ils estiment que quelque chose est en gestation et qu'il est important d'appuyer de façon critique et honnête et sans compromission cet effort. Ils ont tous à cœur d'accompagner les jeunes générations afin qu'elles n'aient pas à arpenter les mêmes routes de la déception que certains de leurs aînés. Bon, encore une fois, je vous laisse aller checker toutes ces personnes. Vous pourrez regarder le replay si vous n'avez pas retenu les noms. Mais c'est des choses intéressantes. Je vais essayer de faire un chapitrage dans le replay d'ailleurs. Alors je vais lire vos trucs, utilise le raccourcisseur de lien. Ah oui. Je suis toujours méfiant, Scoco de T. Je suis toujours méfiant quand on parle de l'Afrique comme d'une entité, qu'on propose des solutions globales. Croire qu'on pourrait trouver une position tenable autant au Maghreb que dans le golfe de Guinée, autant en Afrique australe que dans la Corne, c'est noter l'ampleur et la diversité de ce continent. C'est un héritage de la vision eurocentrée. Ouais, effectivement, c'est un vrai problème de parler d'Afrique globalement. Sachant que là, en plus, il n'y a que 12 pays d'Afrique qui sont concernés, hein, sur les 63. Donc. Il a sectionné l'aristocratie intellectuelle. Ouais, intellectuelle, effectivement. Dommage qu'il n'y ait pas de militants de Yanamar, du Ballet Citoyen au Burkina Faso, ou des gens des barricades. Effectivement, ouais, ça aurait été bien d'avoir des gens qui se mobilisent dans la société civile, vraiment sur le terrain, et qui ont mené des insurrections, puisqu'on sait que, par exemple, au Burkina Faso, le mouvement du Ballet Citoyen a pu chasser Blaise Compaoré, qui était un dictateur arrivé par la force après l'assassinat de Thomas Sankara, et donc qui a été chassé par le Ballet Citoyen au Burkina Faso. Et c'était une révolution pacifique, pacifique, il y a eu quelques morts, mais vraiment pas beaucoup, et voilà, c'était la rue qui a chassé Blaise Compaoré, qui avait pourtant le soutien de la France. Effectivement, des personnes comme ça pourraient être intéressantes parmi les membres du comité, quoi. C'est un très beau panel, mais on note l'absence de figures plus radicales de type Françoise Vergès. C'est vrai aussi qu'il aurait pu avoir Françoise Vergès. Après, je suis pas sûr qu'elle soit si impliquée sur le continent africain, Françoise Vergès. Elle est impliquée sur beaucoup de territoires, outre-mer, par exemple. Aussi en Afrique, bien sûr, mais pas autant, je pense, que les personnes qui ont été choisies là dans le comité. Après, peut-être qu'il lui a proposé et qu'elle a refusé, hein. Dans chaque pays, et j'imagine qu'elle a sûrement refusé si on lui a proposé, parce qu'elle est plus dans une posture justement radicale. Dans chaque pays, des thèmes seront retenus. Les débats seront absolument libres. Pas de tabou. Pas de tabou.
Ok. L'on est à la recherche de constats neufs, mais aussi et surtout de propositions fortes, pour que l'échange avec le président Macron lors du sommet de Montpellier soit productif. Il faut qu'il se fasse sur la base de propositions fortes, voire décoiffantes. Mais moi, je suis vraiment chaud pour les propositions décoiffantes, hein. Et c'est pour ça que j'ai un peu confiance quand même dans ce truc-là. Je me dis, ils sont capables, vu l'équipe qu'il y a, malgré l'élitisme, etc., ils sont capables de faire des propositions vraiment fortes, qui, même si elles vont pas être reprises par Macron, parce qu'on sait qu'il va jamais les reprendre, mais au moins, elles seront dans le débat public, tout le monde les aura vues, toutes les personnes à l'Élysée auront un œil sur une, enfin voilà, des propositions décoiffantes. J'espère en tout cas que je ne me trompe pas sur ça. Traitera-t-on dans ces débats des questions qui fâchent? On me pose la question. Alors je regarde. Aminata Dramane Traoré. Ouais, effectivement, ça aurait été bien d'avoir Aminata Dramane Traoré. L'Afrique, c'est pas son sujet à Françoise Vergès, ouais. La Convention citoyenne version Afrique. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment ce level-là, quoi. Alors, traitera-t-on dans ces débats des questions qui fâchent? On lui demande. Et il dit, bien entendu, vous pensez sans doute à des sujets tels que le franc CFA, ou les interventions militaires, ou la lutte contre le terrorisme, la francophonie, la lutte anti-migratoire, la collusion apparente avec les tyrans locaux. Rien n'est tabou. Et sur ce point, c'est là où j'ai un peu d'espoir. Je me dis, bon, là, il nous le dit voilà, dans une interview, mais si vraiment il parle clairement du problème du franc CFA, par exemple, bah, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer. Si clairement il parle des interventions militaires, alors je reviens juste sur chacun de ces petits points très rapidement. Le franc CFA, vous savez, si vous suivez un peu l'actualité, que un des trois francs CFA va être renommé ECO. Enfin, en fait, sans réellement changer, la monnaie restera en fait une forme de franc CFA, mais juste son nom va se transformer, ça va être l'écho. Donc il y aura quelques règles qui vont changer, vous pourrez trouver des informations sur ça sur internet, il y a plein de choses, et dans ma vidéo sur la France-Afrique. Et donc en fait, c'est un moyen, entre autres, d'empêcher la création d'une monnaie qui était prévue par plusieurs pays africains qui s'appelait déjà écho. En fait, il y a un projet de monnaie écho qui doit arriver, mais la France transforme un de ses CFA en écho, en partie pour empêcher la création d'une vraie monnaie africaine. Et donc, ça, c'est un vrai problème que Achim Mbembe peut aborder, sachant que les autres francs CFA, donc celui de l'Afrique, celui qui correspondait avant à l'Afrique centrale, mais qui s'appelle maintenant le franc CFA, je sais plus c'est quoi le nom exact. Pareil, on pourra voir ça, enfin, vous trouverez les informations dans mes autres vidéos. Ce franc CFA reste, le franc CFA utilisé aux Comores reste aussi. Les interventions militaires, on a l'intervention Barkhane, qui est en place au Sahel, donc dans plusieurs pays du Sahel, depuis un bon moment maintenant. De plus en plus de morts dans l'armée française et dans les civils des différents pays, et aussi dans les troupes militaires des différents pays qui participent à la coalition du G5 Sahel, donc qui sont partenaires de l'opération Barkhane. Pareil, ça j'en parle dans la vidéo sur la France-Afrique. La lutte contre le terrorisme, c'est la même problématique. La francophonie, ça c'est intéressant. Vous savez que la France est une des langues les plus parlées au monde, enfin, ça fait partie des 5-10 langues les plus parlées au monde, mais grâce en fait à l'Empire colonial, comme l'espagnol est parlé grâce à l'Empire colonial, comme l'anglais est parlé grâce à l'Empire colonial, etc., etc. Et donc la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie et qu'on essaie de défendre aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions, et aussi la question de quelle langue domine. C'est-à-dire, est-ce que c'est la langue de la métropole qui est reconnue comme le vrai français, ou est-ce que c'est une langue parlée ailleurs que la métropole qui prend de plus en plus d'espace et de puissance jusqu'à redéfinir la langue? C'est ce qu'on voit par exemple avec les pays qui parlent espagnol en Amérique du Sud, qui sont plus nombreux à parler d'espagnol que les Espagnols d'Espagne, ou bien pareil, l'Amérique du Nord par rapport aux Anglais par exemple. C'est des questions assez passionnantes. Donc il a dit « Rien n'est tabou ». Mais il insiste une fois de plus. Nous sommes avant tout à la recherche de propositions fortes. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont favoriser plutôt les propositions que les clashs, si je comprends bien. Les constats et analyses ont été dressés plusieurs fois. Donc tout ce que je viens de vous dire, apparemment, on a déjà, on sait que ça va pas, quoi. Maintenant, il faut des propositions concrètes fortes. Ce qui manque, ce sont des propositions fortes. Il faut organiser le débat autour de propositions fortes et opérationnalisables, donc des choses qu'on peut faire. C'est ainsi que l'on reviendra dans le jeu et que l'on regagnera une partie de la crédibilité perdue. Alors là, je me demande qui est-ce qui a perdu la crédibilité.
Est-ce qu'il parle de l'Afrique, sachant qu'il ne représente pas vraiment l'Afrique, ou est-ce qu'il parle de la France? J'ai pas exactement compris. Alors, c'est moi ou le stream lag? Ah, dites-moi s'il y a un des lags du stream. Va être renommé, c'est tout. Il y a un décalage depuis le début. Essaye de relancer avec F5 si c'est trop. Ah mince. Désolé pour le décalage. J'essaye de le régler à chaque fois, mais ça fonctionne pas, on dirait. Proposition décoiffante que Macron commence d'abord à respecter son engagement, le droit international et la condamnation de l'ONU à la France. Eh bien, vouloir restituer les îles éparses aux Malgaches depuis le 12 décembre 1979 avec la résolution de l'ONU 3491. Ouais, ça c'est un sujet important, la restitution des îles éparses à Madagascar. Je vous conseille d'aller voir, j'en ai parlé rapidement dans ma vidéo sur la France-Afrique justement, et c'est un sujet vraiment, vous tapez îles éparses, Madagascar. Vous allez voir qu'il y a un enjeu très fort et je crois qu'il va peut-être même en parler après. Ou alors il en a parlé dans son autre article, mais bref. Tout va bien. Ah ok, super. Tout le monde dit que ça va. L'Afrique a besoin de sa propre langue véhiculaire, la langue du colon. Est aliénante dans son identité propre et ne permet pas de préserver le patrimoine. Peut-être le Swahili, qui est énormément parlé dans énormément de pays déjà, ou peut-être créer une ou deux nouvelles langues pour le business intra-africain, en plus des langues coloniales. Alors ça, c'est une belle proposition, Arti Frédéric, mais le problème, c'est que les langues, ça se construit en fait avec une culture et du temps. Et on ne peut pas sortir. Il y a eu des tentatives de sortir des langues du néant. Il y a eu la tentative l'espéranto. Comment ça s'appelle cette langue européenne qui est... Enfin, cette langue qui est censée combiner plusieurs langues. Je crois que c'est l'espéranto. Mais ça prend pas comme ça en fait. Donc effectivement, ça pourrait être le swahili qui est déjà une langue parlée, mais encore faut-il que toute la culture swahili, enfin tout ce qu'il y a autour de la langue, c'est dur d'imposer une langue plus que d'autres quoi. C'est vraiment un truc compliqué. On regagnera une partie de la crédibilité perdue. Ouais, de qui parle-t-il et qui faut reconquérir? Perso, j'ai actualisé, ça lag encore. Désolé, Esgrini, pour le lag, je sais pas exactement d'où ça vient. Esperanto, merci tout le monde. Vous êtes réactif et réactive. J'estime que la francophonie ne doit pas être jacobine. Le français de France n'est qu'un français parmi les autres. Tous les autres français ont la même respectabilité et devront être traités à égalité. Super. Ça, c'est. Enfin, je suis d'accord carrément avec ça. Et on pourra peut-être parler du terme de jacobin aussi, le jacobinisme, et l'importance que ça a dans la politique française. Et ça, il y a un livre qui s'appelle Les Jacobins Noirs qui parle de la révolte à Haïti. Je vous conseille de checker ce livre, mais on ne va pas en parler ici. Les élèves pourraient au moins apprendre dans leur langue. Ouais, ça, ce serait déjà un premier pas. Un premier pas important. Pourquoi on parlerait Swahili en Afrique centrale? Ouais, bonne question, Dimitri. C'est ça le genre de problème que ça pose. Alors, des assises de ce genre ne renforcent-elles pas plutôt l'impression que les Africains attendent tous tout de la France et ne font rien pour eux-mêmes? Ah, quand même, Jeune Afrique, il pose des bonnes questions. Et Membe répond, l'opinion africaine est fortement divisée sur la France. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien à attendre d'elle et que des événements de ce genre sont une distraction, et d'autres qui se satisfont du statu quo parce qu'ils en profitent, ou d'autres encore qui estiment que la France est responsable des malheurs du continent et qu'elle est aux côtés des tyrans et doit être combattue. Et d'autres enfin, dans les pays anglophones ou lusophones, c'est-à-dire qui parlent portugais, ne la connaissent pas du tout. Le cycle de débat que nous préparons n'a pas pour objet la confection de cahiers de doléances à soumettre au président Macron. Ah, détrompons-nous, parce qu'on a dit dans les commentaires tout à l'heure, cahier de doléances, Membe nous dit, il ne s'agit pas de cahier de doléances. Ok, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il propose alors? Il s'agit justement de sortir aussi bien du paternalisme que de l'infantilisme. Il a lu nos commentaires ou quoi? Et d'identifier les défis communs qui nous interpellent et constituent une opportunité pour nous projeter ensemble sur de nouvelles bases vers le futur, et ce faisant, de gagner en compréhension mutuelle. C'est pour cela que j'insiste sur les propositions. Travailler sur la base de propositions fortes est la seule manière d'ouvrir nos imaginations. Bon bah du coup, on attend de voir les propositions, quoi. On ne peut rien faire d'autre en attendant. Que dites-vous à ceux qui estiment qu'en acceptant cette mission, vous reniez vos positions antérieures? Ah bah voilà, ça c'est encore une question importante. Alors je lis vos commentaires en attendant. La différence étant que l'espéranto est une langue fabriquée, effectivement. D'ailleurs, l'album de Manu Chao, Proxima et Saint-Jean, est chanté en espéranto. Ah, je ne savais pas. Je pense qu'on peut commencer par arrêter les ingérences européennes et notamment les ingérences françaises.
Ça, c'est sûr, mais comment faire? Est-ce que Membe va nous proposer une solution? Y aura-t-il un ordre du jour pour cette rencontre? Oui, je pense qu'il y aura un ordre du jour et qu'on va peut-être pas le savoir tout de suite, parce que je vois que le site est même pas à jour pour l'instant. Mais je pense qu'il va bientôt y avoir quelque chose qui va sortir, parce que c'est juillet 2021, donc ça arrive vite. Donc à mon avis, dans les mois qui suivent, je vais suivre cette histoire en tout cas, et on en reparlera, je pense, dans d'autres lives tranquillement. Alors, simple, un marché pour les Africains mèneront, que les Africains mèneront, matières premières, agricoles et autres, très utopique certes, mais il n'y aura plus de famine. Alors le truc, c'est que pour avoir un marché que les Africains gèrent, il faut encore que les États africains aient un poids dans les relations internationales. Et ça, c'est compliqué, parce que pour beaucoup, ils passent par le biais de la France pour avoir un poids à l'ONU, par exemple. Et en fait, c'est pas la France seule qui peut réaugmenter le poids, la force des États africains à l'échelle internationale. Et donc ça, c'est compliqué, en fait. Et donc ça nécessite vraiment des transformations fortes, pas que des relations entre la France et les pays africains, mais aussi des pays africains et le système international, global, quoi, en fait. Et j'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur les dettes africaines qui sont sur YouTube et sur Instagram. Comment annuler les dettes africaines, et vous allez voir dans la vidéo 3, j'explique un petit peu certaines problématiques liées à ça. Un marché que les... Oui, ça, je l'ai lu. Les liens ONU épars et vides. Ah, je viens de... Ok. En Afrique centrale, on voudra peut-être utiliser le Nikongo ou le Bambara comme langue véhiculaire. Alors ouais, Rak Ben O, qui dit « Il s'invente un rôle d'ambassadeur alors qu'il va porter un cahier de doléances. » Eau de vie, qui dit « Le business se fait en chinois, voire en russe. Le discours des coloniales vis-à-vis de la France est obsolète. Tempête dans un verre d'eau. Ce sommet Afrique-France ou France-Afrique, ça émoustille l'ego des décolonialistes, mais le sujet, c'est la Chine. » Alors ça, c'est encore un autre problème. Effectivement, il y a de plus en plus de présence à la fois chinoise et russe, mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est le problème principal. Enfin, je pense que les deux sont un problème, en fait, et qu'il faut pouvoir traiter à la fois le problème des liens avec la Russie et la Chine, mais aussi le problème des liens avec la France. Et je pense pas qu'il y en ait un qui remplace réellement l'autre pour l'instant, en tout cas. Je continue à lire l'article. « Que dites-vous à ceux qui estiment qu'en acceptant cette mission, vous reniez vos positions antérieures ?» Il dit « qu'ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. » Les critiques émises par la plupart d'entre nous ont toujours visé à revoir les fondamentaux de la relation, et non pas à la détruire. L'occasion est donc là d'esquisser des pas dans cette direction. Au nom de quoi devrions-nous nous défiler alors que plusieurs d'entre nous ont des propositions à faire? Le président Emmanuel Macron ne m'a pas demandé de renoncer à mes facultés critiques, bien au contraire. Il m'a invité à les exercer au service d'une cause que je viens de qualifier de raisonnable, voire d'urgence. C'est intéressant. Il dit, en gros, lui, il réfléchit à des solutions depuis un moment. Là, il a l'occasion de les dire. Pourquoi ne pas le faire? Effectivement, à sa position, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors après, il faut juste pas qu'il s'invente ambassadeur ou porte-parole de l'ensemble des Africains ou quoi que ce soit, mais je crois que j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il fait, enfin j'espère que c'est pas ce qu'il fait, et effectivement s'il a ses propositions et les propositions de son comité, bah voilà, pourquoi ne pas profiter, en tout cas de manière très curiosité intellectuelle, de cette occasion pour les dire. Mais par contre, j'ai pas trop aimé le truc de dire, voilà, ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Ça me fait un peu penser à l'intervention de François Hollande ou de Jean Castex sur le live de Samuel Etienne, pour celles et ceux qui ont suivi sur le Twitch de Samuel Etienne, où en fait, il y a toujours ce truc de la pédagogie, genre, il faut mieux expliquer, on n'a juste pas bien expliqué. Et c'est vrai que je crois que les gens qui sont contre cette position d'Achille Mbembe comprennent ce qui est en jeu, mais juste sont pas d'accord, en fait. C'est une chose différente. Et d'ailleurs, on lui dit... Ils ne comprennent pas ce qui est en jeu, dites-vous, mais qu'est-ce qui est en jeu? Alors, Mbembe répond, il ne s'agit de rien d'autre que d'ouvrir de larges fenêtres sur le futur. C'est ce que beaucoup d'entre nous, de part et d'autre, demandent depuis plus de 60 ans. C'est aussi et surtout ce qu'exigent les jeunes générations, en France et en Afrique. Mon constat est qu'il y a un frémissement. Ce n'était pas le cas lors des derniers épisodes, sous Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande. Il y a maintenant une fenêtre de tir, elle est très étroite, c'est vrai, mais il est possible de l'élargir à condition de savoir nous y prendre, de construire de part et d'autre les coalitions qu'il faut, et d'introduire dans le jeu de nouveaux acteurs. Il faut savoir provoquer l'histoire.
Cela est différent de l'attente passive ou de la simple réaction. Ce devrait être un exercice passionnant, tant sur le plan intellectuel, culturel, artistique, que sur le plan politique. Alors là, en gros, il dit que, et c'est vrai, en un sens, il y a en ce moment un mouvement. Alors il y a toujours eu des mouvements, il y a toujours eu des frémissements, des révoltes, des luttes dans l'histoire coloniale, dans l'histoire décoloniale, il y a toujours eu des soulèvements, des contradictions. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quelque chose de très global qui se passe, à la fois dans la lutte contre le franc CFA, contre les présences militaires françaises en Afrique, contre la politique coloniale ou néocoloniale au sein même de la métropole française, par exemple, et que profiter de cette fenêtre de tir pour proposer des choses, ça peut être intelligent, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aime pas trop quand il dit « Cela est différent de l'attente passive ou de la simple réaction. » Je pense qu'il y a plein de gens qui... Alors, il y a des gens, c'est sûr, qui attendent passivement ou qui sont juste dans la réaction. Ça existe. Je pense pas que ce soit les gens qui se bougent le plus, parce qu'il y a des gens qui se bougent, qui sont dans des formes plus révolutionnaires ou plus discrètes, et voilà, qui sont pas dans l'attente, mais qui quand même... Enfin, ont une activité qui n'est pas forcément mise sur le devant de la scène, mais qui font des choses dans l'ombre, peut-être, pour que les choses changent. Et je trouve que c'est un peu, justement, infantilisant, cette formulation. Mais bon, je comprends aussi, dans sa logique, pourquoi il utilise cette formulation. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez dit. Je remonte un tout petit peu. Le dialogue, 29 septembre disait « Le dialogue n'est pas possible lorsqu'il existe un déséquilibre tel entre une entité qui n'est pas unie, donc 63 nations africaines, et un seul État-nation qui est la France. C'est pourquoi je suis très sceptique quant à l'issue de ce dialogue, effectivement. » Mais il faut dire aussi que Achille Mbembe ne représente pas l'Afrique en réalité. Il a été nommé par Macron, alors déjà c'est-à-dire qu'il n'est pas élu par personne en Afrique, donc il ne peut pas être représentatif déjà de l'Afrique. Il a été nommé par Macron, donc c'est-à-dire qu'il représente la vision qu'a Macron de l'Afrique à laquelle il veut donner la parole. Donc déjà, je pense qu'à partir de là, c'est problématique. Ce qui me rend triste, mais par contre, il peut se servir de cette opportunité pour lâcher des propositions décoiffantes. Et tant qu'à faire, autant en profiter, quoi, j'ai envie de dire. Et sur ce point-là, je pense que, voilà, il a, dans sa logique, en tout cas, il a eu raison d'accepter. Ce qui me rend triste, c'est que Macron va en tirer un coefficient symbolique et bénéfice culturel alors qu'il poursuit les mêmes politiques mortelles que ses prédécesseurs. Effectivement. On s'en souvient, ne serait-ce que ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo et la CPI. Ouais. Alors attendez, je descends un peu parce que là, je vois que vous êtes déjà loin. Je suis assez d'accord avec lui. Passe en violence, par exemple, sur la colonisation, les zones de pêche interdites. Ils n'hésitent pas à foncer sur les bateaux, gardes-côtes, pêcheurs locaux. Alors attendez, je lis aussi Scocto de T qui disait « Pendant qu'on se débat avec notre passé, la Chine croise les mains et use à fond de son soft power pour une nouvelle hégémonie, voire néocolonisation, sans armes, ni haine, ni violence, juste à coup d'économie. » Et j'ai juste envie de dire aussi un truc sur la Chine, que je pense qui est important. C'est que oui, la Chine et la Russie ont une forme de politique néocoloniale, on va dire, ou une forme de domination vis-à-vis des pays africains. Mais je pense que en tant que citoyen et citoyenne français et française, en tout cas moi je suis citoyen français, peut-être que vous ne l'êtes pas tous et toutes, mais moi dans ma position, je me sens plus légitime à critiquer l'action de la France que l'action de la Chine ou la Russie. Et je trouve ça un peu facile de critiquer l'action de la Chine ou la Russie sans d'abord être capable de déconstruire ou de voir que la France, ça fait quand même plusieurs siècles qu'elle est impliquée dans les territoires africains. Et du coup, je me dis, comment on va pouvoir déconstruire ce qu'a fait la Chine ou ce que font la Chine ou la Russie si on n'est même pas capable d'avoir le moindre poids sur ce que fait et ce qu'a fait la France pendant des siècles. Et donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas, de ma position de citoyen français, l'urgence, c'est d'abord de voir la poutre dans mon œil, sans nier le fait que la Chine et la Russie sont des problèmes majeurs. Mais dans ce cas, en tant que citoyen africain, par exemple, centrafricain, par exemple, les populations de Centrafrique, c'est vrai que il y a une urgence à se mobiliser aussi contre les méthodes russes ou chinoises. Récemment encore, vous étiez pourtant l'un des critiques les plus sévères du président Macron, comme le prouve votre tribune sur ce même site. Donc il avait fait une tribune qui s'appelait « Emmanuel Macron a-t-il mesuré la perte d'influence de la France en Afrique ?» qui était très critique de la position de Macron,
et en disant qu'il se prenait pour un peu un empereur, enfin il n'avait pas compris que les choses changeaient, quoi. Donc c'était en réaction à la longue interview qu'il avait accordée à Jeune Afrique. Et pourtant, Membe accepte. Et il répond: Cela peut paraître paradoxal, mais je ne suis sévère qu'avec les gens que je respecte. Le choix n'est pas entre critiquer ou faire allégeance. D'ailleurs, personne ne m'a demandé de faire allégeance. L'exercice difficile, j'en conviens, est d'être critique tout en montrant que la bataille des idées se joue aussi dans l'institution elle-même. Nous ne pourrons pas changer les rapports entre l'Afrique et la France si l'initiative intellectuelle n'est portée que par un seul des protagonistes. C'est la qualité de la présence qui compte, ce ne sont pas les postures. Bon, en tout cas, il a clarifié le fait que lui, il n'est pas ni dans la critique, ni dans le fait de faire allégeance, mais dans le fait d'en fait rencontrer, en tout cas c'est selon ses idées. Après, on sait, l'histoire est pleine de personnes qui ont travaillé avec des chefs d'État français, hein, pleine de personnes africaines qui ont travaillé avec des chefs d'État français. Mais voilà, en gros, bah, il explique un peu mieux sa position par rapport à cette histoire d'allégeance ou de critique. Et je continue. La relation. Alors attendez, je lis un peu quand même vos trucs. Je parlais des Chinois. Oui, il y a une panafricanisme grandissante, une fierté africaine aujourd'hui qui s'éveille et s'affirme dans la génération XYZ, mais aussi surtout dans la diaspora africaine. Je parlais des Chinois. Ouf. Alors, Sonia J07, tout à fait d'accord avec toi sur le fait des critiques de la Chine et de la France en tant que Française et Algérienne. Je pense que tous les Français doivent se révolter et réfléchir sur les agissements de l'armée française, car notre armée continue à tuer, manipuler. Et je pense que mettre le doigt sur les agissements de la Chine est une façon de détourner le débat, même si le débat sur les agissements de la Chine doivent bien sûr être mis en cause. Au devis, en tant que citoyen français, on peut aussi proposer la thèse et l'antithèse. L'autoflagellation vis-à-vis de la France affaiblit ton discours. Bah, du coup, je suis plutôt d'accord là avec ce que dit Sonia. Et au devis, je comprends aussi ce que tu dis sur l'autoflagellation. Et enfin, moi, je suis pas trop dans le terme autoflagellation parce que je pense que ça fait partie un peu de. Genre, il y a Jean Castex qui l'a utilisé sur le plateau de TF1, si je me trompe pas, en direct, pour dire on va pas s'autoflageller avec l'histoire coloniale. Mais je crois pas que ce soit de l'autoflagellation, en fait. Je pense que c'est de la responsabilité. C'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de se culpabiliser en disant ah, on a mal fait, on a mal fait. Il s'agit de voir qu'on a fait des choses, qu'on est responsable du coup d'un certain nombre d'actions, et qu'à partir de là, elles ont des conséquences. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ces conséquences et essayer de ne pas reproduire certaines actions pour éviter donc les conséquences qui sont, bah, je sais pas, la situation actuelle, par exemple, des pays qui sont encore sous le franc CFA, c'est des conséquences destructrices, quoi. Et ça, c'est pas une faute morale de la France, c'est juste des actions qui ont été faites, une responsabilité de différents pouvoirs politiques français qu'il faut pouvoir assumer. Et je pense que tant qu'on ne peut pas assumer ces responsabilités-là, c'est difficile d'aller critiquer la Chine ou la Russie, par exemple, parce que eux, ce qu'ils font directement, c'est d'aller dire, bah regardez-vous, regardez-vous. Ils l'ont fait cette semaine encore quand il y a eu, enfin, dans tout le débat qu'il y a avec les Ouïghours, par exemple, l'ambassadeur chinois a ressorti des trucs en disant, bah regardez-vous d'abord. Et bon, c'est une réponse facile qu'il fait et qui est pas plus constructive, hein, parce que en vrai, ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est extrêmement grave en Chine. Voilà, c'était pour répondre en tout cas à ça. C'est une prise de responsabilité. Je pense que ce n'est pas l'autoflagellation. Je pense pas du coup, désolé, faute de typo. Ouais. Oui, une prise de responsabilité et de respect envers les peuples toujours opprimés et qui l'ont été. Victimisation, autoflagellation, repentance, les mots-clés de l'extrême droite. Avec une faute, prendre en charge les héritages. C'est surtout des politiques criminelles encore en cours, il suffit de penser aux ventes d'armes en Afrique. Alors, mais cela dit, je suis quand même d'accord. C'était Audevie qui disait, je pense qu'on peut aussi proposer en tant que citoyen français la thèse et l'antithèse. Je suis d'accord qu'on peut être sur. Enfin, on n'est pas obligé d'être tous dans la même direction et qu'on peut aussi avoir des discours contradictoires à des moments. La relation Afrique-France. N'est-ce pas aussi une question de rapport de force? Bah, on en parlait pas mal du rapport de force et du déséquilibre. Il répond, avec la France, comme avec la Chine, les États-Unis ou la Russie, ah bah voilà, nous sommes dans un rapport de force. Mais nous sommes aussi, dans le cas de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis en particulier, dans un rapport humain riche et dense qui, pour s'épanouir, exige mutualité et réciprocité. Alors ça c'est très problématique pour moi. C'est quand même bizarre, il dit dans un rapport de force en général, mais dans le cas de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, un rapport humain riche et dense
Et pourquoi pas dans le cas du coup de la Chine. Enfin, c'est là, il choisit clairement le camp entre guillemets occidental face au camp chino-russe, quoi. Et ce qui est possible, hein, mais je trouve ça bizarre de mettre des valeurs comme l'humanité et la richesse et la densité dans une relation avec les anciens pays coloniaux plus qu'avec les nouveaux pays coloniaux. Pour moi, les deux sont aussi problématiques. Mais bon, de toute façon, historiquement, le rapport de force, on ne le crée pas seulement par le conflit. Pour faire bouger les lignes, il faut aussi savoir s'engager de façon critique, surtout quand se présentent des opportunités historiques. C'est ainsi qu'on provoque des déclics. Donc là, il justifie sa position, donc lui, il se voit comme quelqu'un qui va faire bouger des lignes et qui va s'engager de façon critique sur une bonne opportunité historique. Voilà. La meilleure critique ne consiste pas à s'arc-bouter sur des positions désuètes alors même qu'un cycle historique s'est achevé et que commence un autre. Elle consiste à être à l'affût de chaque brin d'espérance. C'est en saisissant chaque brin d'espérance que l'on peut petit à petit ouvrir la voie à d'autres imaginaires. Voilà également pourquoi j'ai accepté d'accompagner ce projet. Il est facile d'être cynique ou de ne pas vouloir se salir les mains. Il y a des formes de participation qui n'impliquent pas que l'on se salisse les mains. La peur peut se tromper. La peur de se tromper ne peut pas être un prétexte pour ne pas s'engager de façon critique. Alors, là, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais dites-moi un petit peu en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec lui. Parce que là, on a eu pas mal de commentaires de gens qui sont quand même critiques par rapport à sa position. Mais je pense que dans le chat, il y a aussi des gens qui sont d'accord avec ce qu'il dit. N'hésitez pas à en parler et à faire valoir vos arguments parce que je pense que c'est aussi des bons arguments et que c'est pas pour rien qu'il a accepté cette mission quand même. C'est pas, il n'est pas totalement bête ou quoi que ce soit. Enfin, il y a une logique et il y a vraiment une forme, enfin, voilà, une intelligence dans cette acceptation. Et d'ailleurs, il dit, c'est pour ça qu'il a accepté, et je suis d'accord avec lui quand il dit, c'est facile d'être cynique ou de ne pas vouloir se salir les mains. Il y a des formes de participation qui n'impliquent pas que l'on se salisse les mains. Et aussi que la peur de se tromper ne peut pas être un prétexte pour ne pas s'engager de façon critique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu, en tout cas à droite, enfin, dans la Macronie, les prises de risque, on va dire. Mais je pense qu'au-delà de la Macronie, il y a aussi vraiment une notion de. En tout cas, en termes de militantisme, en termes d'action politique, il y a parfois des choses à faire qui ne sont pas forcément celles qu'on attend tout de suite. Enfin, qui peuvent être surprenantes, mais qui peuvent entraîner des choses qu'on n'avait pas prévues en fait au départ. C'est-à-dire que les gens se disent, ah, ça va dans une direction de collaboration comme d'hab, mais en fait, peut-être, pour une fois, même si on sait que l'histoire se répète souvent, peut-être pour une fois, étant donné que Achille Mbembe est un historien, qu'il connaît bien cette histoire, peut-être qu'il va réussir à changer quelques petits trucs. Pour l'instant, lui laisser le bénéfice du doute. Il manquait que lui pour que ça change. Conséquences destructives selon toi. Le franc CFA a permis d'éviter aux pays africains une inflation grandissante. Garantie vis-à-vis de la monnaie et commerce. Je comprends la volonté d'avoir une monnaie propre aux pays africains sous la tutelle de la France, mais le CFA a aussi eu des bienfaits, dit Eau-de-Vie. Ben, franchement, on regarde l'état des pays sous franc CFA par rapport aux pays qui ne sont pas sous franc CFA. Tu vas voir que, quand même, globalement, ça pose problème. Et puis, même en termes de construction d'une nation. Ne pas avoir de souveraineté économique, ça mine le pouvoir politique, ça fait que les gens n'ont pas confiance dans le pouvoir politique. Enfin, c'est tout un tas de. Il n'y a pas que le côté économique, genre la stabilité, qui compte. Il y a aussi tout un tas de facteurs culturels et de choses qui en sortent et qui posent problème. Alors, touc touc touc, vous répondiez à Eau de Vie. Parler des bienfaits de CFA, ça le fait mal. Le déclic, c'est quoi? Alors, les chefs d'État africains n'assisteront pas au sommet France-Afrique. Excusez-moi, au sommet Afrique-France. C'est en effet une nouveauté. Mais le cadre ne reste-t-il pas le même, celui d'une ancienne puissance coloniale faisant face à tout un continent? Voilà. Merci, jeune Afrique. Achille Mbembe répond, le système international repose sur l'existence d'États souverains. En 1963, nous avons ratifié le principe dit de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est la raison pour laquelle les États-Unis d'Afrique n'existent pas. Au cours des 60 dernières années, les dirigeants français ont pris l'habitude de discuter en tête-à-tête avec une poussière de petits États distincts, fragmentés et en compétition les uns contre les autres, et avec à leur tête des individus médiocres et obséquieux qui défendent très mal les intérêts de leur peuple. Alors là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Achille Mbembe. À ce paragraphe-là,
On est d'accord. Effectivement, en 63, donc le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ça c'est un truc sur lequel il faut que je fasse une vidéo en entier, quoi, parce que pour comprendre l'état, le problème, on va dire, d'anciennes colonies africaines aujourd'hui dans le monde, il faut voir que leurs frontières sont bloquées par des accords signés avec leurs anciennes métropoles coloniales, qui les forcent à conserver donc ces fameuses frontières coloniales et à créer des nations autour de ces frontières qui sont en fait pas, enfin, qui correspondent pas réellement aux peuples qui vivent sur place. Donc, il dit, à ce dialogue bilatéral, l'on ajoute de nos jours des plateformes plus ouvertes à la transversalité. Dans un sens, les États n'ont plus le monopole de la diplomatie. Et celle-ci est conduite à ciel ouvert avec une multitude d'autres acteurs représentatifs des forces vivantes des sociétés. C'est le pari que tente ce nouveau sommet. Dans l'histoire des relations entre l'Afrique et la France, il s'agit sans conteste d'une nouvelle formule. Elle n'est pas magique, heureusement, parce que moi, elle m'a pas l'air du tout magique, cette formule. Il fallait bien commencer quelque part, et c'est à nous, de part et d'autre, de lui donner un contenu irréfutable. Alors, je trouve ça bizarre parce que cette phrase, en fait, c'est genre 100% Macron, quoi. Une nouvelle formule. Donc en gros, il nous dit les États n'ont plus le monopole de la diplomatie, donc il n'y a pas que l'État qui compte. Cette diplomatie est conduite avec une multitude d'acteurs représentatifs des forces vivantes de la société. Donc ça, c'est le projet Macron, quoi. C'est le fait de dire c'est des forces de la société civile qui vont faire la politique de demain. Ok, même B. Alors on lui dit, bien des critiques estiment que le format a peut-être changé, mais qu'avec le président Macron, le symbolisme l'emporte très souvent sur le fond. Qu'en pensez-vous? Ah, mais il pose vraiment toutes les bonnes questions. Et il répond, il y a déjà un cadre, et on peut l'améliorer et le refaçonner. Le fond ou le contenu, c'est à nous de le créer ensemble à travers un dialogue honnête et serré. Pour cela, il faut avoir une totale confiance en ses propres capacités et ne pas avoir peur. Or, le problème est que 60 années de tyrannie, de corruption et de brutalité ont cassé chez beaucoup d'Africains toute confiance en eux-mêmes. Beaucoup se sont tellement habitués aux chaînes de la dépendance qu'ils ne croient plus du tout en la possibilité même de l'égalité. Bah, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, bah, c'est bien que lui, il n'ait pas peur. Bon, je pense que c'est quelqu'un d'assez aisé, hein, Monsieur Membe. C'est quelqu'un qui a une situation voilà, assez confortable finalement. Donc, il a de la chance de pas avoir peur. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui vivent dans des régimes dans lesquels ils n'ont pas forcément le droit de parler de politique, etc., c'est un peu plus compliqué parfois de prendre, enfin de collaborer en tout cas avec un monsieur comme Emmanuel Macron. Beaucoup se sont tellement habitués aux chaînes de la dépendance qu'ils ne croient plus du tout à la possibilité même de l'égalité. Je ne sais pas quoi en penser de cette phrase. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors. Touk touk touk, c'est une opportunité de se faire entendre notre voix et de nous permettre d'avancer, ne serait-ce qu'un pas. On sait qu'on se bat à armes égales, mais si au moins la plume pouvait affaiblir le porteur de l'épée, c'est déjà une avancée. Merci pour ce message, petit cam. Alors, il y a des gens pour qui ça bug, j'ai l'impression. Plus de son ni image. Dites-moi s'il y en a d'autres chez qui ça bug. Merci 13 bis pour le lien vers le Tipeee. Ouais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee voilà, si vous avez les moyens, etc., et que vous voulez me soutenir. Ben voilà, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ablakata, c'est un peu comme quand Fanon parle de haine de soi et du complexe d'infériorité des personnes colonisées. Ouais, ok. Je comprends mieux maintenant la phrase qu'on vient de lire. Effectivement, Fanon parle très bien de ça. Frantz Fanon, donc comme il était psychiatre, il parle très bien des conséquences de la colonisation sur les personnes colonisées et de tout un tas de problèmes aussi qui naissent. Enfin, il y a des choses qui sont clairement dues à l'action colonisatrice, mais la manière dont ça affecte les personnes colonisées, parfois, on développe tout un tas, enfin, où les personnes colonisées ou les gens descendants de personnes colonisées vont développer tout un tas de problématiques psychologiques qu'il faut vraiment pouvoir creuser. C'est ce dont tu parles, je pense. Re-scocto de T. Alors, la meilleure façon d'aller au-delà du symbolisme, selon Membe, c'est de rehausser le niveau et la qualité du débat sur l'Afrique, et de tisser patiemment de nouvelles coalitions par-delà les deux bords. Nous en avons les moyens intellectuels et il suffit de les mobiliser à bon escient. La nouveauté du sommet de Montpellier, à mes yeux, c'est de faire formellement place dans cet effort à la société civile, aux intellectuels, aux artistes, aux entrepreneurs, aux forces créatives et surtout aux jeunes générations.
Le futur commun entre l'Afrique et la France ne se construira pas avec des vieillards. Alors, là, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Il y a des choses qui me font trop penser à la Macronie. Donc, bon, déjà, bon, on a déjà vu ce qui fait penser à la Macronie, hein, le discours sur la société civile et la manière dont elle révolutionnerait tout d'un seul coup. Alors qu'en fait, la société civile est souvent politisée, c'est pas n'importe quelle société civile qu'on invite. Hein. Comme on l'a dit, il n'a pas invité les gens du Ballet Citoyen, ni des personnes trop radicales hein, dans son comité. Et surtout, je trouve problématique le fait qu'il ne remette pas en question le mot « Afrique ». Jusque-là, en tout cas, il n'a pas remis en question le mot « Afrique » en disant « ça ne marche pas, le futur commun entre l'Afrique et la France, ce n'est pas possible de dire ça ». Il aurait pu dire entre les 12 pays africains en question et la France, ou entre certains pays d'Afrique. Mais là, reprendre le mot tel quel, je trouve ça très bizarre de la part de Membe. Par contre, je suis d'accord, le futur commun entre certains pays africains et la France ne se construira pas avec des vieillards. Ça, je suis d'accord. Mais les vieillards... enfin, pas seulement avec des vieillards, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il peut bien y avoir un ou deux vieillards, mais faut pas que ce soit que ça. Et voilà, sans faire de l'agisme ou quoi que ce soit. Hein. Je pense juste qu'au niveau politique, il faut une diversité de classes d'âge, finalement. Ouais, mais le problème... Alors, voilà. Sonia J07. Ouais, mais le problème, c'est que Fanon précise quant à lui que c'est à la suite des violences coloniales de dépendance imposées. Or là, il ne précise en aucun cas cela. Donc il ne dénonce pas du tout le fait que ces chaînes de dépendance sont avant tout créées par les anciens colons et qui continuent leur mainmise. C'est vrai que... C'est vrai que c'est pas exactement la même chose. J'ai l'impression que là, ce que dit Membe dans ce texte, c'est plutôt que des gens se sont habitués à la servitude. Je pense qu'il parle beaucoup des élites africaines qui se sont habituées à la servitude par rapport aux anciens colons. Et ensuite, il parle par répercussion des populations africaines qui se seraient habituées à vivre sous le joug de ces fameuses élites tyranniques, etc. J'ai l'impression que c'est ça qu'il essaie de dire. Mais je sais pas, encore une fois, merci pour ton interprétation, Sonia. Du coup, il a quel âge Achille Membe? Ah, bonne question, 13 bis. Attends, je vais checker ça tout de suite. Parce que je vous ai pas ouvert un article. Attendez, on va checker ça immédiatement. Touk tac. Achille Membe. On retourne sur Internet un petit peu. C'est pas un vieillard, quand même. Hein. Il est né en 57. Ça fait quel âge, ça, 57? Et... Moi, j'avoue que je suis un peu mauvais. Ah, attendez, ça doit être écrit ici. Non, c'est pas écrit ici. Bon, il est né en 1957. Moi, j'avoue que j'ai la flemme de faire un calcul, surtout en live, là, avec la caméra. Et vous qui me regardez, je vais m'embrouiller. Donc, je vous laisse faire le petit calcul. Voilà, on retourne sur l'article. Il est né en 57, ouais. Bullouk dit « Ça m'a toujours dérangé qu'on parle d'un continent fait de plein de pays avec des cultures et des histoires différentes comme d'un seul pays. » Et ouais, là, ça, c'est le vrai problème. Alors, merci Ebadidon qui nous dit 64 ans. Ah, Sibyl PNG dit 63 ans. Alors là, il y a un conflit, là. Alors, il nous dit, en tout cas, Membe nous dit, il faut s'inscrire dans une perspective de long terme, parier sur les générations nouvelles et composer avec les forces vivantes et créatives des sociétés elles-mêmes. Ceci est, en soi, une manière d'amorcer la rupture graduelle avec les modèles du passé. On nous met une petite illustration de Macron à l'université de Ouaga. En 2017. C'était celle dont on avait parlé tout à l'heure. Je crois que c'était Petit Cam qui en parlait tout à l'heure. Cette stratégie ne conduit-elle pas finalement à la délégitimation des dirigeants africains et à l'affaiblissement d'États déjà fragilisés? Ah, alors là, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais en gros, on lui demande le fait de, en fait, d'avoir Membe face à Macron, est-ce que ça contribue pas à la délégitimation des dirigeants africains? Puisqu'en fait, pourquoi c'est un mec qui n'est pas élu par qui que ce soit et qui, en plus, un mec de la société civile, un intellectuel, etc., qui va se retrouver face au président pour représenter l'Afrique, même si on est d'accord, c'est bien la préparation du sommet, théoriquement, c'est pas le sommet lui-même, puisque je pense qu'au sommet lui-même, normalement, il y a les chefs d'État qui doivent arriver pour de vrai. En tout cas, le fait que les chefs d'État ne participent pas à la préparation du sommet, est-ce que ça ne délégitime pas, finalement, les chefs d'État? Et lui, il dit « Ce qui affaiblit les États africains, ce n'est pas le fait que, dans les dialogues internationaux, on cherche désormais à écouter ou à consulter tous les concernés et tous les ayants droit. Ce qui les fragilise, c'est le verrouillage institutionnel, le trucage des élections,
l'embastillement des opposants, à quoi il faut ajouter une classe parasitaire qui vit essentiellement de la corruption. Ce sont les dérives tyranniques qui sont à la source des conflits, qui les assaillent et qui pourraient pourtant être évitées. Donc oui, pour lui, il dit le vrai truc qui fragilise les États africains, bah en fait, c'est leurs chefs d'État. Et il fait une critique assez acerbe hein, des chefs d'État africains, et pour beaucoup d'entre eux, il a bien raison. La seule manière de bâtir des États forts, mais en même temps, je trouve qu'il profite un peu du truc en mode, bah, du coup, je suis le représentant. Voilà. Au calme. Et il se remet toujours pas en question sur le fait qu'il a pas été élu et qu'il a été désigné par le président français. Ça, je trouve que c'est un problème. La seule manière de bâtir des États forts et d'éviter la fragilisation, c'est de chercher sans relâche le compromis et le consensus chez soi. L'approfondissement de la démocratie, la protection des libertés fondamentales, la séparation des pouvoirs, une gestion transparente et une redistribution égalitaire des ressources naturelles, voilà quelques-uns des moyens les plus sûrs pour renforcer la légitimité de l'État en Afrique et pour éviter des conflits sanglants. Cet approfondissement requiert l'établissement de contre-pouvoirs effectifs, la consolidation des institutions de la société civile et des pratiques constitutionnelles qui favorisent délibérément l'alternance au pouvoir. Là, j'ai rien à dire. Là, je crois que je suis à peu près d'accord, en tout cas. Bon, peut-être pas avec le début de la phrase, mais bah, il a raison que... En tout cas, encourager une séparation des pouvoirs, une gestion transparente, redistribution égalitaire des ressources naturelles, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent renforcer la légitimité de l'État en Afrique. Seulement, c'est bien beau de dire ça, mais encore faut-il que les États africains aient réellement la possibilité de... par exemple, de redistribuer égalitairement les ressources naturelles. Et ça, il faut que la communauté internationale leur permette de le faire. Parce que pour l'instant, les mainmises d'entreprises à la fois chinoises, russes, européennes, américaines, canadiennes, etc., brésiliennes, sont telles que je ne vois pas, pour l'instant, même si un président décide de redistribuer égalitairement les ressources, je pense que vite fait, il y a une insurrection, une invasion armée, quoi. Donc... Là, il critique les États africains. Enfin, il fait une forme de critique des États africains, mais peut-être que il pourrait en profiter pour lâcher un petit pic à Total, par exemple. Alors, je lis un peu. À propos des frontières, elles ont été à dessein tracées de façon à découper les entités culturelles et sociales existantes. Il s'agissait justement de morceler les empires, d'atomiser les nations. Ça, c'est Sko de T qui dit, et c'est bien pour ça qu'il est si difficile aux pays d'Afrique de faire nation. Moins de 2 siècles pour se remettre de la destruction de sa nation et s'en reconstruire une autre avec des voisins, il y a quelques générations seulement étaient nos rivaux. Rakbeno qui dit, qui soutient militairement ses chefs d'État. Effectivement, c'est ça la question. Odevi qui dit, c'est le principe d'une monnaie commune, l'euro est surévalué. Alors là, tu parles encore de du franc CFA, donc. Basé sur le mark allemand, mais cette monnaie commune facilite les échanges commerciaux. Ce n'est pas parce qu'il y aura une monnaie commune spécifiquement africaine qu'il n'y aura pas de disparité selon les pays. Ben ça, c'est vrai, pour le coup. Mais peut-être que cette monnaie commune, si elle n'est pas celle du colonisateur, ce serait quand même mieux. Alors, on continue les questions-réponses. Il dit... Vous avez accepté de participer à cette tentative de refondation des relations entre l'Afrique et la France. Quel est, d'après vous, l'angle stratégique à partir duquel il faut l'envisager ? Il dit, Membeni dit, de notre côté, l'hypothèse historique de base devrait être la suivante. L'Afrique est une réserve de puissance et une puissance en réserve. C'est ainsi qu'elle devrait se percevoir et c'est ainsi qu'elle devrait se projeter intellectuellement, politiquement et économiquement dans le monde. À l'ère de la planétarisation, elle est un des lieux où se joue le devenir de l'humanité. L'exercice stratégique consisterait dès lors à tirer toutes les conséquences d'un tel retournement de perspective. Nos rapports avec les puissances de la Terre découleraient de ces deux prémices. Ça, je trouve que c'est intéressant. Là, il commence les propositions décoiffantes, là. Donc, il nous dit, en gros, que si on se base sur le fait que l'Afrique est une réserve de puissance et une puissance en réserve, ben, en fait, les propositions qu'on fait sont basées sur ça, et pas sur une Afrique faible et en demande. Et donc on va voir qu'est-ce qui va nous sortir comme proposition s'il considère qu'en fait c'est l'Afrique la force. Ça veut dire qu'il peut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il peut nous lâcher là ? En fait, ça veut dire qu'en gros il se considère enfin il considère que l'Afrique est en position de domination en gros entre guillemets, hein. En tout cas en position de force vis-à-vis de l'Europe et qu'en fait l'Europe ou d'autres pays, hein, que ce soit la Chine etc. Mais là
C'est la France qui l'invite. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des sommets Chine et différents pays d'Afrique, Russie, différents pays d'Afrique, États-Unis, etc. Il n'y a pas que la France qui fait des sommets comme ça en réalité. Mais la France, elle dit France-Afrique. Pourquoi pas? Nous devons sortir du vieux paradigme dans lequel les puissances ne voient en notre continent qu'une zone d'influence ou d'intervention, l'objet de politiques d'aide ou même de développement ou d'assistance. L'Afrique devrait se percevoir et être perçue comme un acteur de plein droit sur l'échiquier global, avec des intérêts propres qu'elle devrait évidemment défendre. Là, on est d'accord. Pour le moment, le débat sur l'Afrique est d'une extrême pauvreté, intellectuelle justement parce que l'on n'est pas sorti du ravalement du continent à un pur objet que l'on cherche à manipuler, ou qui de plein gré se laisse manipuler. Alors là, il nous dit, j'ai peut-être mal lu, mais il dit que le débat sur l'Afrique est pauvre, enfin d'une pauvreté intellectuelle, parce que justement, on voit toujours le continent comme un continent objet qu'on cherche à manipuler, ou qui se laisse manipuler. Il faut sortir de cette vision. En fait, l'Afrique, c'est un continent acteur, un continent puissant, un continent comme les autres continents, et il a son mot à dire sur les décisions qui vont être prises sur le continent, quoi. On lui demande, peut-on s'attendre à des excuses officielles de la part de la France au terme de ce cycle de débat? Bonne question, Achille. Il dit, absoudre la France pour ses péchés en Afrique ne fait pas partie de l'agenda. Et je trouve qu'il a raison. Il a vraiment raison de dire ça parce que quand on dit... non. Il a raison de dire ça avec les termes qu'il dit, c'est-à-dire absoudre la France pour ses péchés en Afrique ne fait pas partie de l'agenda. C'est une très bonne réponse. Je pense qu'il faut surtout pas essayer d'absoudre la France de ses péchés, parce que ce serait se placer sur une lecture morale d'enjeux qui sont en fait des enjeux de justice. Et la justice, c'est pas juste t'as mal fait, c'est genre il y a des lois, t'as fait des crimes, tu dois porter la responsabilité de ce que t'as fait. C'est quelque chose de très différent. Et donc là, ce qu'il a fait, il a bien répondu dans le sens il faut pas absoudre la France, ça je suis d'accord. Par contre, il a esquivé la question qui est des excuses officielles. Des excuses officielles, ça peut être des excuses de type juridique, comme plein de pays font des excuses. Bon, j'ai pas d'exemple en tête là, tout de suite, si vous en avez, dites-le dans les commentaires. Mais il y a plein de pays qui font des excuses officielles suite à des crimes, suite à des mensonges, suite à tout un tas de choses qui sont préjudiciables, enfin, qui portent préjudice à des populations ou d'autres pays. Ça existe, les excuses officielles. C'est pas nécessairement absoudre la France pour ses péchés, qui est une lecture morale de l'excuse. Et donc là, je trouve qu'il a détourné le truc comme un Jean Castex l'aurait fait sur l'autoflagellation. Il a détourné le truc de la justice ou de l'excuse officielle sur de la morale. Et ça, je trouve que c'est un peu tricky, j'ai failli me faire avoir. Alors, je lis, j'ai pas eu le temps de lire tout ce que vous avez dit, mais je vois que vous êtes à fond là dans les commentaires, ça fait grave plaisir. J'ai l'impression que dialoguer avec les sociétés civiles plutôt que les présidents, ça peut aussi lui faciliter les conversations débats. Un peu comme Véran avec le choix des influenceurs plutôt que des syndicats étudiants. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Les excuses du Canada pour les pensionnats, par exemple. Oui, bah merci, voilà. Merci, GFT. Voilà, le Canada qui a fait des excuses officielles. 13 bis qui dit comme un Jean Castex chez Samuel Etienne. Effectivement. Alors, le terme qu'utilise le professeur Nicolas Agbou. Ah oui. Alors là, il y a Nganzi qui dit, qui explique à Ptikam que le terme qu'utilise le professeur Nicolas Agbou est le terme nazisme monétaire. Vous pouvez retrouver l'histoire dans son livre L'euro et le franc CFA contre l'Afrique ou encore dans certaines interviews qu'il a données disponibles gratuitement sur YouTube. Et on en a parlé dans ma vidéo sur la France-Afrique. Effectivement, Nicolas Agbou essaye de définir, d'expliquer l'histoire du franc CFA comme une forme de nazisme monétaire puisque le franc CFA est inspiré de la méthode qu'ont employé les nazis lors de leur colonisation de la France. Non, le... Bon, après, je lis pas... Le débat sur le franc CFA est très intéressant et je suis content que vous le teniez. Je vais pas le lire là parce que c'est un autre sujet un petit peu, mais continuez le débat. Je vais le lire ensuite en replay. Alors, pensez-vous que les missions Felwine-Sar et Bénédicte Savoie, puis Ngonéfal, aient produit quoi que ce soit de positif? Grande question, puisqu'on avait déjà laissé la possibilité à Felwine-Sar et Bénédicte Savoie donc de faire un rapport sur la restitution des objets d'art africains. Et Ngonéfal, elle avait produit donc la saison, enfin elle avait curaté
la saison Africa 2020, la saison culturelle, censée redorer un peu le lien culturel entre la France et l'Afrique. Encore une fois, il y a toujours l'Afrique en grand. Les objets d'art africains, la saison Africa 2020, le sommet Afrique-France, bref. Il nous dit « Ces missions ont, chacune à sa manière, largement contribué au déclic des imaginaires. Félouine Sarr et Bénédicte Savoie ont accompli un travail absolument remarquable, aussi bien sur le plan politique que sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, la question de la restitution, elle est partout. C'est maintenant aux États africains de la prendre en charge si l'on veut véritablement avancer. » Ça, c'est pour Bénédicte Savoie et Félouine Sarr. Du côté de Ngon Eiffal, elle devait travailler directement avec la bureaucratie française et avec des centaines d'institutions française et africaine. C'était une très grosse opération. Ce qu'elle a pu réaliser, en dépit des complications causées par la pandémie, est absolument magnifique. J'ai été impliqué dans certaines activités de la saison Africa 2020. Je peux dire qu'ici également, sur le plan intellectuel, la proposition était d'une très grande originalité. Il reste que, pour transformer durablement la relation entre la France et l'Afrique, un énorme travail devra être accompli en France, même sur les mentalités. Il faudra décoloniser les mentalités de part et d'autre. Là, il a lâché une petite phrase, là. Il a lâché quand même le « il faudra décoloniser les mentalités », mais il a mis le « de part et d'autre ». Mais il n'a pas tort. Et d'ailleurs, le texte qu'il a produit, donc l'article qui est sur AOC Media, dont je vous ai parlé au début du live, qui s'appelait « Notes sur l'eurocentrisme tardif », et justement une intervention, ça, enfin, c'est un texte qui est issu d'une prise de parole qu'il a faite pendant la saison Africa 2020. Donc c'est un texte très intéressant que je vous conseille de lire et que je trouve beaucoup plus pertinent que l'interview qu'on est en train de lire maintenant. Mais qui a aussi des choses à critiquer, hein, comme toujours. Voilà. Dans une tribune à Jeune Afrique, vous aviez présenté certains de ces projets comme des chantiers peu coûteux, mais susceptibles de rapporter de beaux dividendes symboliques. De quoi s'agit-il ? Une chose est de vouloir, donc Membe répond, une chose est de vouloir restituer des objets d'art. Une autre est de s'attaquer au franc CFA, d'ouvrir un dossier aussi complexe que le rôle des entreprises françaises dans la protection de l'environnement en Afrique, ou de s'interroger sur les accords militaires qui lient la France aux pays africains. Tous ces dossiers n'ont pas le même coût financier, politique ou symbolique. Ben, j'ai pas compris du coup ce qu'il essaie de nous dire là. Vous aviez présenté certains de ces projets comme des chantiers peu coûteux. Bon, il faudra relire la tribune à Jeune Afrique dont il parle. C'était la tribune, je pense, où il critiquait Emmanuel Macron, celle qu'on a citée tout à l'heure, où il critique Emmanuel Macron sur le fait qu'il ne se rend pas compte que la France perd son influence en Afrique. Je pense que ça doit être de ça qu'il parle, à mon avis. On parle de protection uniquement, point d'interrogation. Alors, j'ai pas compris de quoi tu parles ici. Ah oui, la protection de l'environnement. Ah oui, oui, oui. Le rôle des entreprises françaises dans la protection de l'environnement en Afrique. Ça, c'est un truc parce qu'en fait, dans le sommet Afrique-France, qui était prévu donc pour juin 2020, celui qui a été décalé, et ben en fait, je pense que l'enjeu, un des enjeux principaux, c'était justement de faire une transition écologique en Afrique grâce à l'aide des entreprises françaises. Il y avait beaucoup cette volonté en fait, de Macron de penser l'Afrique du futur et les villes africaines du futur grâce à l'aide et aux compétences et au savoir-faire d'entreprises françaises. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ici, il parle du rôle des entreprises françaises dans la protection de l'environnement en Afrique. En fait, il y a des marchés qui sont en train de se jouer là, qu'il va falloir surveiller avec attention pendant donc ce prochain sommet en 2021. À quel obstacle ou difficulté vous attendez-vous ? Membe répond « Il se pourrait qu'il y ait des attaques, je n'en sais rien. Cela m'importe très peu de toute façon. Je suis quelqu'un de très prudent, mais je sais aussi prendre des risques. La manne ne tombera pas du ciel comme au désert. Je suis de ceux qui préfèrent prendre le risque de la défaite, mais en combattant, plutôt que de perdre sans jamais avoir osé se battre. Ouais, » très bien pour toi. Enfin, très bien pour vous, cher professeur Membe. « La manne ne tombera pas du ciel comme au désert. » Il l'a encore refait, il l'avait fait déjà en début d'interview. Dans le contexte actuel de lutte contre ce que d'aucuns appellent islamo-gauchisme, ne craignez-vous pas de retombées négatives, les fameuses retombées ? C'est une controverse, nous dit Membe, qui est suivie attentivement dans les milieux intellectuels en Afrique. Il en est de même des attaques répétées contre des courants de pensée qui ont accompagné notre remontée en humanité.
ce sont des attaques qui ne favorisent pas la compréhension mutuelle. Donc concrètement, il critique les personnes qui parlent d'islamo-gauchisme. Et là, je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, il le défend très bien dans son texte, justement, note sur l'eurocentrisme tardif. Il fait une très bonne explication de pourquoi il est contre le terme islamo-gauchisme. Enfin, il le dit plus subtilement, mais lisez le texte. Ce que l'on nomme les théories décoloniales ou postcoloniales, par exemple, se sont largement inspirées de nos penseurs et de nos poètes. Des créateurs comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, Édouard Glissant ou Suzanne Césaire et d'autres. Refonder une relation, c'est apprendre à regarder, ensemble, à partir de plusieurs pères d'yeux à la fois, en accordant une égale dignité aux héritages intellectuels des uns et des autres. Je trouve que c'est très bien dit pour défendre les théories décoloniales ou postcoloniales. De telles controverses ont-elles un impact sur les rapports entre la France et l'Afrique ? Là, il ne reste plus beaucoup de questions, hein, on va aller un peu plus vite, ça fait déjà 1h43 qu'on est en live. Merci de suivre aussi attentivement et de répondre et de discuter comme ça. Alors je vois que Adrien Destre, t'as essayé de mettre l'article d'Achille Membe. Tu peux pas mettre de lien malheureusement, il n'y a que 13bis qui peut le faire parce qu'il est modérateur. Mais voilà, il va le faire je crois juste après. Merci beaucoup. Est-ce qu'il parle des problèmes liés à la signature des APE ? Alors Nganzi, rappelle-moi ce que sont les APE, parce que là j'ai un petit trou de mémoire. De telles controverses ont-elles un impact sur les rapports entre la France et l'Afrique ? Membe nous répond. On se trompe si on pense que ce sont des affaires d'intellectuels. Ah bon ? Parce qu'il a invité que des intellectuels pour le coup dans son comité. En tout cas, il nous dit, il suffit de suivre ce qui se dit à ce sujet sur les réseaux sociaux. De telles controverses décrédibilisent la France et mettent en difficulté ceux et celles, qui seraient disposés à dialoguer avec elle. C'est d'autant plus le cas que la chasse aux sorcières qui en découle n'épargne pas les universitaires issus de ce que l'on appelle, de ce que l'on nomme la diversité. Donc il nous dit qu'en gros, une controverse comme l'islamo-gauchisme, là, telle qu'on a en ce moment en France, bah, en fait, pose problème. Et nous décrédibilise, en tout cas décrédibilise la France par rapport à des populations, en tout cas sur le continent africain, ou hors de France en tout cas, qui seraient éventuellement disposées à dialoguer avec elle dans d'autres circonstances. Je continue. Allez, accepteriez-vous des missions similaires dans votre propre pays, le Cameroun, ou dans un autre pays africain ? Il répond, j'ai accepté cette mission parce que ce qui est en jeu finalement, c'est une idée. C'est la possibilité ou non de réimaginer en ce siècle ce que pourrait être une véritable solidarité entre les nations. Ce qu'il s'agit de remettre sur les rails, c'est l'idée selon laquelle il nous faut réparer le monde ensemble. Je comprends évidemment le langage des intérêts économiques, de l'innovation technologique, des start-up, de l'entrepreneuriat ou de la force militaire. Mais ce qui me parle en réalité, c'est la part utopique qui nous habite tous quelque part et qui est à la source du sens, y compris en politique. Je sais que les choses ne changeront pas de fond en comble demain matin. Ce qui importe, c'est non seulement l'horizon, mais aussi les petits pas. C'est la capacité de s'étonner ensemble, comme me le confiait il y a 2 ou 3 jours un ami récent. Je trouve que c'est intéressant parce que là, clairement, il met une petite distance avec Macron. En gros, en disant qu'il n'y a pas que les startups, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat qui peuvent faire changer les choses, lui, il n'y croit pas vraiment. Il croit plutôt à la part d'utopie qui nous habite tous quelque part. Très bien. Et ça, je pense qu'il faut lire ses livres pour comprendre ce qu'il entend par là. Et en même temps, il sait que les choses ne changeront pas de fond en comble demain matin. Donc je trouve ça aussi assez humble de sa part de dire, bah en fait, ce qu'il va faire ici contribuera d'une petite manière à des changements de relations entre certains pays africains et la France, mais il va rien révolutionner en soi. C'est juste qu'il va ouvrir, faire des propositions décoiffantes, selon lui. On attend ça. Et aussi, ouais, je trouve ça intéressant de dire que il nous faut réparer le monde ensemble. Je pense que sur ce point, il a pas tort. Et que c'est une petite phrase pleine d'utopie, justement. Mais j'aime bien cette petite phrase. Voilà, c'est comme ça. Et bah en fait, c'est terminé. Et bah oui, c'est terminé. Donc on a fini la lecture de l'article. Sur cette belle phrase, c'est la capacité de s'étonner ensemble, comme me le confiait il y a 2 ou 3 jours un ami récent.
qu'on ne citera pas. J'espère que ce n'est pas Macron, son ami récent, mais je crois pas, non. Je vais pas faire de mauvaises suggestions comme ça. Je lis un peu vos commentaires. Ça fait 1h45 qu'on est en live. Ça fait grave plaisir. Merci d'être resté en tout cas jusque-là. Je vais vous faire un petit quiz directement qui est en rapport avec ce qu'on vient de lire. J'espère que vous avez bien aimé ce format où on a un peu plus dialogué, vous avez beaucoup plus participé et j'ai moins ouvert d'onglets. Peut-être que c'était peut-être encore trop rapide en termes de débit, n'hésitez pas à me dire. Alors je lis. Je suis d'accord avec toi, ces restitutions d'œuvres d'art, qui est un devoir légal de la France vis-à-vis des biens africains, ne doit pas être vu comme une exception ou une faveur que la France fait à l'Afrique. C'est son devoir. Mais l'essentiel est de rendre la pleine souveraineté des anciennes colonies françaises et de sortir de ce néocolonialisme. C'est le premier remède qui permet de lutter contre la pauvreté et la faim en Afrique. Alors les APE, c'était les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains qui obligent les pays africains à supprimer 80% des taxes sur les produits européens. Ah, je savais pas. Je connaissais l'existence des APE, mais je savais pas les détails. Si, ouais, merci. Et si t'es sur le Discord, Nganzi, n'hésite pas à mettre des sources à propos des APE, du coup ça peut nous intéresser. Ce qui pose problème d'empêcher l'industrialisation de l'Afrique et de concurrence déloyale face aux petites entreprises africaines, puisqu'elles ne sont pas en mesure de faire face aux entreprises européennes. Discord pour la suite. Ouais, merci 13bis d'avoir mis le lien. Bullou, en ce qui concerne la restitution des œuvres, je m'interroge jusqu'à quelle date doit-on remonter? Ça, c'est une bonne question, et en fait, la restitution, c'est des histoires complexes. Alors attendez, déjà, je change d'écran, parce qu'on a assez vu cet écran-là. Hop là, j'essaie de changer d'écran, tac, voilà. C'est une histoire, c'est des problématiques complexes, la restitution des œuvres d'art, et c'est à faire au cas par cas. Et voilà, c'est remonter, en fait déjà, je pense qu'en commençant à restituer certaines œuvres qui sont faciles à identifier, il y a des savoir-faire qui vont se faire, des collaborations qui vont se faire, qui vont permettre de rendre beaucoup plus facilement. Le reste des œuvres, j'ai envie de dire. Ah oui, 13bis, t'as fait la commande de YouTube, je crois que je l'ai pas faite encore. Ah si, je l'ai faite. Ah bah c'est super. Ou c'est toi qui l'as faite, peut-être. Tu ne penses pas que réparer le monde ensemble, ça joue un peu la carte du « on est tous dans le même bateau » dont on sait qu'il vaut ce qu'il vaut quand il s'agit de la France ou l'Europe, vs l'Afrique, voire les vaccins actuellement ou les APE. De 1920-1080. Alors, merci pour cette question. C'est vrai que on est ensemble. En fait, c'est clair, on n'est pas ensemble. On n'est clairement pas ensemble. mais en fait, ce que je pense qu'il voulait dire, en tout cas, ce que moi me parle dans cette petite phrase-là que je l'ai lue tout à l'heure, qui était, je la redis à l'oral, qui était « Il nous faut réparer le monde ensemble », c'est que on n'est pas ensemble, je pense, pour l'instant, en tout cas, parce qu'on a des conditions de privilèges totalement différentes en fonction de ce qu'on est citoyen français, française, ou citoyen d'un pays d'Afrique, surtout les anciennes colonies françaises. Ça se voit sur la question du passeport, hein, de la circulation internationale, ça se voit assez facilement. Quand t'es français, tu peux faire à peu près ce que tu veux, tu peux être rapatrié très facilement, etc. C'est pas le cas de quand t'es dans une ancienne colonie française, par exemple. Mais il faut quand même réparer le monde ensemble, ça je suis d'accord, dans le sens où même si on n'est pas ensemble, on est à un moment T, et tout le monde peut se mettre à s'impliquer dans la réparation du monde. Peu importe qu'on bénéficie de privilèges très forts, en tant que citoyen français, citoyenne française, ou qu'on soit africain. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes leviers pour faire le changement, mais je crois qu'il nous faut réparer le monde ensemble, c'est une phrase qui me parle quand même, quoi. Psycam dit, c'était passionné aujourd'hui, n'oubliez pas le Tipeee, il y a du taf là. Merci, le Tipeee s'il vous plaît, ça me permettra de faire vivre le débat. Merci de ouf Psycam pour tes rappels du Tipeee à chaque fois. Alors je vais vous faire un petit quiz, j'avais dit ça tout à l'heure, on va le faire. Et comme ça, on va terminer en beauté. Alors attendez, je retrouve le quiz, tac, tac. Hop là. Hop là, et donc ça va être un quiz sur Afrique-France. Et normalement, vous devriez voir dans quelques instants le quiz s'afficher si vous êtes sur ordinateur. Vous devriez voir des règles s'afficher sur l'écran du chat. Si vous êtes sur téléphone, je pense qu'il faut que vous descendiez dans ma bio pour voir normalement dans un petit rectangle
le quiz qui s'affiche. Dites-moi si vous voyez un peu le truc du quiz, comme ça je lance ensuite. Et là, vous êtes assez nombreux et nombreuses sur le live, donc n'hésitez pas à rentrer votre nom aussi. Je pense qu'il va vous demander est-ce que vous voulez vous identifier ou pas. Comme ça, dans les résultats finaux, on pourra voir qui remporte la première place. Le but du quiz, c'est de répondre le plus vite possible aux questions. Il y a toujours une question, quatre réponses possibles. Vous avez 20 secondes pour répondre à la question. Et c'est des questions assez faciles par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc le truc, c'est d'être assez rapide et pas se tromper. Attention, il faut aussi valider l'extension. Ah oui. Donc peut-être que vous ne voyez pas sur téléphone, je suis désolé. Mais si vous êtes sur ordi, il faut aussi valider l'extension pour avoir accès au quiz. Et bientôt, je vais devenir peut-être affilié Twitch. Du coup, je pourrais faire plutôt des polls, enfin, c'est-à-dire des sondages en direct. Ce sera peut-être mieux que les quiz parce que c'est vrai que donner accès à une extension, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Et je vais lancer le game. Rapide, rapide, plus on vous coûte, plus on mise de points. Jouer tactique. Alors, je lance le game. Où aura lieu le sommet Afrique-France de 2021? À Bamako, à Bordeaux, à Montpellier ou à Paris? Il vous reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Eh bien, j'attends que l'ordi processe vos réponses. Sur téléphone, l'icône est dans le bandeau blanc à droite, en face du mot chat. Merci beaucoup, Scoco de T. Et je montre la réponse. Montpellier, bien joué, vous êtes 20 à avoir dit Montpellier, bien joué, bien joué. Bordeaux, en fait, Bordeaux, c'était le premier sommet Afrique-France qui était censé avoir lieu en 2020, en juin 2020, et qui devait avoir lieu à Bordeaux. Mais finalement, il est décalé à Montpellier à cause du Covid. Et Bamako, ben non. Il y a eu des sommets Afrique-France, à l'époque il s'appelait France-Afrique à Bamako, mais c'est pas celui-ci. Alors attendez, j'ai perdu mon quiz là. Hop, hop, c'est bon. Prochaine question, êtes-vous prêt, prête? C'est parti. Qui a été en charge de la saison Africa 2020? Françoise Vergès, Ngoné Folle, Achille Mbembe ou Félouine Sarr? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et j'attends que ça compile vos réponses, encore une fois. Un petit peu de détente à la fin d'un bon live de 2 heures. C'est sympa. Réponse, Ngonéfal, bien joué. C'est elle qui a été en charge de la saison culturelle Africa 2020, donc qui était une saison culturelle qui était censée rapprocher, on va dire, ou changer la relation culturelle entre la France et l'Afrique. Achille Mbembe, lui, il a été invité par Macron pour préparer les débats du sommet Afrique-France, qui aura lieu donc en 2021. Félouine Sarr, lui, il a été invité par Macron pour faire un dossier sur la restitution des œuvres d'art africaines avec Bénédicte Savoie. Donc ils l'ont fait à deux mains. Et Françoise Vergès, à ma connaissance, elle n'a pas été invitée par Emmanuel Macron pour être en charge de quoi que ce soit, mais c'est la présidente de l'association Décoloniser les Arts, dont j'ai fait partie, et que je vous conseille de checker. C'est une association très intéressante qui s'intéresse justement à la décolonisation des formes culturelles en France, qui fait un travail assez cool en général. On fera peut-être un truc sur Françoise Vergès un moment. Si elle écrit un article, on fera peut-être un live sur un de ses articles. Prochaine question. Top. Alors, 3, 2, 1. Achille Mbembe est de nationalité congolaise, sénégalaise, camerounaise, française. Tintintin. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Alors, Scoco 2T qui dit aïe aïe aïe, on va travailler sa fiction, hein, sa diction. Ouais, c'est vrai que moi, au niveau accent, c'est tragique, hein. Faut que je prenne des cours avec certains et certaines d'entre vous. Mais je préfère les prononcer de manière très française
Ça évite que je me ridiculise encore plus à faire mal l'accent, quoi. Achille Mbembe, donc, est de nationalité camerounaise. Là, vous étiez au top, là. Bien joué à tout le monde. Il n'est pas sénégalais ni français. Il est bien camerounais. Allez, ouais. Et je montre les résultats finaux. C'est Ablakata qui remporte ce quiz. Bien joué, première position, avec 57 000 points. Je ne sais pas si c'est 57 000 points ou... En tout cas, c'est Ablakata qui remporte. En deuxième, Chinello 15. Bien joué, Chinello 15. En troisième, Contestante 37, qui n'a pas enregistré son nom. Mais voilà. Ensuite, quatrième, Contestant 53. Contestant 36, Contestant 21. En septième, La Femme Périphérique. Bien joué, La Femme Périphérique. En huitième, 13 bis. Ah, mais cette fois-ci, je vois ton nom. Parfait. En onzième, Contre-Euphorie. En quinzième, Martini Chéri. En 17e, Chakalzila. 18e, Aribasa 5. 19e, Nakacha. 20e, What a Love. 23e, Tata NGV. 24, Bullelou. 25e, Skoko 2T. Et voilà. Super. Bien joué à tout le monde, franchement. Bien joué. Alors, il y en a qui ont peut-être tout bien répondu, mais qui ne sont pas dans les tops parce que vous n'avez peut-être pas répondu assez vite. La question, c'est la vitesse aussi. Et oui. Donc merci d'avoir participé à ce quiz. Et pour terminer, pour vous rattraper, j'ai un dernier quiz en fait, parce que j'ai vu que cette association, enfin cette application QuizKit a lancé un autre type de quiz qui est juste un vrai faux. Alors du coup, je vais vous le poser pour celles et ceux qui ont encore un peu d'énergie pour rester, même ça fait 1h58, parce que j'ai envie de tester ce que ça donne. Et du coup, je vais le lancer. Et je crois que c'est un peu différent, c'est juste un vrai faux. Il s'appelle Tension et désaccord. Et je le lance. Si on répond. Comme ça, vous pouvez vous refaire pour celles et ceux qui ont raté. Là, ça va être encore plus simple, je pense. Franchement, ça va être simple. C'est un vrai faux. Il y a en plus la dernière. Bon, je lance le truc. Top. Le premier sommet Afrique-France aura lieu en 2021. En fait, ah oui, en fait, non, j'ai pas bien compris, moi, cette histoire. Ok, très bien, j'ai pas très bien compris l'enjeu du truc. C'est qu'en fait, vous devez miser, si je comprends bien, vous devez miser sur est-ce que oui ou non le premier sommet Afrique-France aura lieu en 2021. Et moi, je dois essayer de vous convaincre d'un truc. Et donc, jusqu'à longtemps, les sommets se sont appelés France-Afrique. Donc, à vous de faire votre choix. Est-ce que vous pensez que c'est le premier sommet Afrique-France qui aura lieu en 2021, ou est-ce qu'il y en a déjà eu qui s'appelait déjà Afrique-France? J'ai très mal joué mon rôle. J'étais censé vous convaincre d'un truc. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voter ou pas, mais je vais faire End Audience Betting. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0 secondes, vous devrez faire votre choix, quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. C'était un test, hein, les amis. On va voir ce que ça donne. En fait, en gros, vous jouez contre moi. Moi, je dois vous faire croire un truc. Et vous devez voter quelque chose selon votre âme et conscience. Et à la fin, on voit si j'ai réussi à vous orienter comme je voulais ou pas. C'est ça le but du jeu. Je comprends mieux. Mais sauf que personne assis. Oula. Ouh là là, alors là, je comprends rien du tout. Donc, en majorité, vous avez dit que c'est faux. Mais la réponse était vrai. Mais alors là, c'est n'importe quoi, ce truc. Si on bat l'autre côté et qu'on est seul, on gagne plus. Eh ben, je sais pas exactement, en fait, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Bon, je crois qu'on va arrêter ce quiz parce que je comprends pas bien et je vais mieux le travailler. La semaine prochaine, on va. La semaine prochaine, on va le faire bien correctement. J'aurai une bonne question et tout. J'aurais dû mettre une pièce de l'autre côté. Ouais. Ouais, vous voyez que c'était les aléas du direct. Hein. Donc, voilà. Là, vous voyez directement le leaderboard. C'est Nakacha qui est première. Bien joué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Mais je vais bien bosser ça. Peut-être que je vais voir avec 13 bis si. Vas-y, je suis 48e gratuit. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'arrête ce quiz. Je pense que vous allez plus le voir si je quitte là. Hop. Endgame, yes.
Bon, bah voilà, c'était un petit test. Je referai bien ce quiz la semaine prochaine avec des vrais trucs. Donc, il y aura du pari, du challenge, de la gamification. Et ce sera marrant, j'espère. Ce sera toujours sur un sujet d'actu, un sujet sérieux. Et d'ailleurs, ce que je pense que vous proposez, c'est que pour celles et ceux qui sont chauds mardi soir, je pense à 19h, je vais sûrement faire un live, encore une fois, sur un autre sujet qui s'appelle... Alors, attendez, je le retrouve. Touk. Je vais vous le montrer tout de suite. Parce qu'il y a un autre article qui est sorti cette semaine et qui me semble hyper important à lire et que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui parce qu'il fallait bien le préparer et que j'ai pas eu le temps de bien le préparer. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Oula. Hop, hop. Voilà. Une nouvelle génération de Français d'origine asiatique veut nommer le racisme et résister. Et donc c'est par rapport à la vague de mobilisation Stop Asian Hate, si je me trompe pas, le hashtag c'est ça, qui est sorti depuis plus d'un mois maintenant. Hein. Il y a toute une mobilisation contre le racisme anti-asiatique. Et il y a un article qui a été réalisé sur le Bondi Blog sur ce sujet. Et je pense que du coup, je vais faire un live spécial mardi pour vous lire cet article, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. J'ai déjà surligné des trucs et tout. Et il a été publié donc sur le Bondi Blog, je vous montre l'original. Ça ressemble à ça. Si entre-temps, vous voulez aller le lire, je trouve que c'est un article assez intéressant et qui permet de revenir aussi sur d'autres facettes de l'histoire coloniale, qui n'est pas que l'histoire coloniale liée à l'Afrique, mais aussi liée à l'Asie, en fait, et de tout le racisme qui peut en venir, en sortir. Donc je pense que ce sera mardi à 19h. Donc mardi, on est le combien aujourd'hui? Ce sera sûrement mardi... attendez, je check. Mardi 30, du coup. Ou mercredi. Mais ça, je vous le confirmerai via les réseaux, je vous dirai sur le Discord, sur Twitter, sur Insta, etc. Voilà, et bah c'était un peu tout pour aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Merci d'être resté aussi longtemps, c'est trop cool, ça me fait grave plaisir, merci pour tous vos commentaires. C'était une session bien riche en action, j'ai trouvé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer sur un raid, mais je sais pas encore où. Donc je vais checker qui est en ligne là, pour vous envoyer en raid. Donc le raid, pour celles et ceux qui savent pas, c'est qu'en gros, je peux envoyer toutes les personnes qui sont en train de me regarder en live vers une autre chaîne, voilà, pour le fun, quoi, en fait. Parce que c'est cool. Je regarde un peu qui fait quoi, et j'essaie de vous envoyer quelque part. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire. Alors, je vois qu'il y a l'Aristide qui dit « Mince, j'ai tout loupé ». Alors, t'inquiète pas, je vais mettre le replay en ligne sur YouTube. Tu peux voir tous les replays que j'ai fait sur YouTube, mais ce sera actif, je pense, dimanche, parce que là, je vais aller me reposer un peu, dormir. Je pense que ce sera dimanche que je vais le mettre. Et comme 13bis vous le rappelle, j'ai un Tipeee dans les commentaires, il l'a écrit là. J'ai un Tipeee, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à m'envoyer du soutien financier via Tipeee. Voilà. Et donc, moi, je vais faire un petit... Bon, comme on est assez nombreux et nombreuses, où est-ce qu'on peut aller là, les amis? Il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, mais j'aimerais bien vous envoyer sur un truc... Je sais pas si vous voulez voir des jeux vidéo ou si vous voulez voir de la discussion un peu calée. Tout le monde est en train de jouer, là, en fait. Premier passage ici, c'était très intéressant, merci beaucoup. Bah, enchanté, Ebadidon. Ça fait plaisir, en plus, je t'ai vu intervenir quelques fois dans le chat. C'est cool. Ouais, c'est ce que je regardais, Kalesint, tu nous dis Maudit. Ouais, je pensais à Maudit aussi. Mais comme elle est en train de jouer un jeu vidéo, Cyberpunk 2077, je voulais voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait un truc plus parlé. Maudit, elle est vraiment, c'est vraiment top. Je vous conseille d'aller voir ses lives Twitch. Elle parle en ce moment de la sociologie du Front National. Enfin, elle parle de l'histoire du Front National en lisant un livre. Et sinon, elle fait beaucoup de réactions, critiques, revues de presse féministes. Donc c'est très intéressant. Touk. Je dis c'est vachement cool. Alors attends, ça c'est Fishbone, bah trop cool, c'était top la première participation à ton Twitch, je reviendrai, bah franchement ravi, avec plaisir. Pas pour moi, ça bug trop, à bientôt. Bulelou, bah dommage Bulelou, je sais pas sur quelle plateforme t'es, si t'es sur téléphone ou sur autre chose, mais peut-être que je sais pas pourquoi ça bug à ce point. De mon côté en tout cas tout fonctionne. Bon, franchement, je sais pas vous...
Ouais, Floby la vieille. Oui, Maudie, elle parle de moi parfois. Ouais, ben, j'ai eu pas mal de retours et je suis un peu en contact avec elle via Insta. Et c'est vraiment cool. Et je suis trop content qu'elle parle de moi. Et moi aussi, j'essaie de faire de la promo, du coup, comme vous l'avez entendu tout de suite. Alors, ouais, Bull et Lou, t'es sur téléphone, c'est pour ça. Bah, peut-être que ton téléphone est un peu pas assez à jour pour supporter Twitch, peut-être. Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres personnes sur téléphone chez qui ça fonctionne bien. Bon, vous n'avez aucune suggestion, en fait, hein. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Il y a aussi le stream pour notre autonomie, mais ils sont inraidables. Voilà. En même temps, si les gens ils se bloquent. Ah, il y a quelqu'un qui dit comme vous dites, c'est ça? C'est un stream vers comme vous dites, c'est ça? Je vais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous dites. Science et technologie. En tout cas, je m'abonne à comme vous dites. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit en train de faire quelque chose. Je capte pas trop. Danny Caligula. Moi, j'avoue que je ne suis pas suffisamment bien ce qu'il fait. Et que il y a des trucs. Franchement, ces lives hyper longs qu'il fait avec son pote, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il raconte. Et souvent, ça me paraît pas. Enfin, il y a plein de trucs qui disent que ouais, ça me parle pas trop. En tout cas, j'ai pas vraiment envie de vous envoyer vers ça. Mais si vous voulez aller regarder Danny Caligula, allez checker ce qu'il fait et vous faire votre propre idée. Je l'avais pas mal suivi avant, à l'époque, quand il était sur YouTube au tout début. J'aimais bien ce qu'il faisait. Et là, en ce moment, je sais pas, je vois pas trop. Enfin, je trouve que ça a perdu en profondeur, j'ai l'impression. Et après, je suis pas suffisamment bien pour voir. Alors, Rélinette qui dit pour la prochaine fois, peut-être diminuer la qualité de vidéo de ton côté, Histoire Crépue, car je peux pas descendre en dessous de 720p. D'habitude, je suis un cran en dessous. Ok, d'accord. Mais après, j'ai peur que pour les autres qui ont une méga qualité, ce soit tout chum, quoi. Tout le monde joue, il est en content warning. Alors, Somebwitch. En tout cas, je m'abonne à des gens. Je vais pas forcément raider tout de suite parce que je les connais pas bien. Mais je vais checker et peut-être la prochaine fois, on va raider chez eux. Ouais, j'ai noté, t'inquiète, Skoko. J'ai noté Somebwitch. Et je l'ai même followé. C'est juste que je me dis, comme je ne le connais pas encore totalement, je vais pas checker tout de suite, quoi. Je me demandais si parmi les gens que je suis, vous aviez des gens. Ah, ok, ça vient de commencer comme vous dites. Alors attendez, je vois pas bien. Caligula, c'est chaud. Pour Zulzorander aussi. Je check, hein, je m'abonne, je m'abonne. Zulzorander. En fait, je suis en train de piocher plein de nouveaux comptes à suivre, mais je les follow pas. Enfin, je vous envoie pas dessus. Désolé, les amis. C'est de ma faute. Bon, bah, je vais vous envoyer sur comme vous dites. Voilà, parce que c'était le premier truc qui m'a été suggéré, je crois. Et ça a l'air d'être un truc qui vient de commencer sur une revue de sciences, Palo Alto et les études de la communication. Donc je vais vous envoyer là-dessus. Parce qu'en plus il fait pas un jeu vidéo, il fait un truc de vulgarisation. Et comme on a fait de la vulgarisation, je trouve ça cool. Donc c'est parti, attendez. Comment je fais ça? Lancer un raid, voilà. Comme vous dites. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là. Ça ne fonctionne pas. Ah, peut-être que je peux pas le raider, je sais pas, mais ça n'a pas l'air de fonctionner chez moi. Pour une fois que j'avais fait un choix. Non, mais si, c'est bien ça. Il veut pas lancer le raid. Bon, bah allez, je lance le raid. Merci à toutes et tous. Ça fait plaisir. Vous direz à comme vous dites bonjour de ma part.
Vous direz, comme vous dites, du coup, de s'abonner aussi à Histoire Crépue, aller checker. Moi, je vais checker ce qui se dit là-bas. Et à très bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Alors, attendez, je switch d'écran, en fait, voilà. À très bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, soit mardi, mercredi, je sais pas, je vous dis, de toute façon, dans la semaine, pour un live, du coup, plutôt sur l'histoire du racisme anti-asiatique. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao!